Bonjour mes chers collègues, je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Plusieurs personnes vont nous rejoindre, donc ils nous rejoindront au cours de ce conseil. Et je vais céder la parole à Monsieur Nino Kies. Est-ce que tu as la feuille de... Parfait. Nous t'écoutons. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je procède à l'appel. Arnaud Decani. Présent. Florence Galland. Nicolas Leblanc. Présent. Janine Paca. Présent. Dominique Delcroix. Présent. Annick Lebrun. Présent. Patrick Moulard. Présent. Bernadette Moriamé. Elle va arriver. Nagui Brefas. Il est là, mais il arrive là. Je l'ai vu. Brigitte Rascart. Nino Kies, présent. Samia Serrani. Emmanuel Lococciolo, Michel Gras, pouvoir à Arnaud Decani, Gilles Yada, Patricia Roger, Marc Danels, Myriam Berthaud, pouvoir à Monsieur Coulon, Monsieur Bouffel-Jabounois, pouvoir à Monsieur Delcroix, Marie-Charles Lally, Monsieur Robert Pilato, pouvoir à Marie-Charles Lally, Madame Christelle Dos Santos, Jean-Pierre Coulon, Malika Tajdirt, pouvoir à Monsieur Refas. André Piéguet, pouvoir à Madame Dos Santos. Caroline Leroy. Rémi Pauvros. Marie-Pierre Hôpital. Et Michel Wallet, absent, pouvoir à Monsieur Rémi Pauvros. Sophie Villette. Guy Domery. Inel Gara. Jean-Pierre Rombaud. Fabrice De Kepper. Et Angelina Michaud. Donc le quorum, dans cette période, est toujours de un tiers de ses membres. Donc le quorum est atteint et une personne peut avoir deux pouvoirs. Simplement quelques informations avant de passer la parole aux questions orales. Le centre de vaccination a tourné à plein régime pendant l'été. Alors je retire mon masque, hein. On va celui qui s'exprime pourra retirer son masque pour des questions de facilité. Donc, et puis après, évidemment, le remettre quand il écoutera. Et donc, nous tenons évidemment au nom de ce conseil municipal de remercier l'ensemble des médecins et surtout tout l'ensemble des soignants. D'ailleurs, à cet effet, nous organiserons une soirée en l'honneur de l'ensemble des soignants le 8 octobre prochain. Vous informez aussi du déménagement du centre de vaccination qui maintenant a lieu sur la place de Wattigny dans les ex-bâtiments de la CPM-CAF. Et d'un centre de test, 34 avenue Roosevelt, évidemment qui est accessible pour le cœur de ville, c'est pour faciliter évidemment l'entrée chez des commerçants qui auront été testés, les personnes. La maison de consultation médicale au cœur de ville qui va rentrer, dont l'ouverture est prévue pour le mois d'octobre. La maison de santé pluridisciplinaire, donc la démolition a été réalisée à l'ex-école du Sahar. Et nous sommes en cours d'appel d'offres sur ce sujet. Donc il y aura un concours d'architectes qui va être lancé pour la future maison de santé. Nous avons voté en conseil municipal, mais l'hôpital de jour pour enfants, donc les ex-écoles La Fontaine, a été cédé à la PUI depuis le mois de janvier. L'ouverture du nouvel hôpital qui aura lieu... Normalement, au mois d'octobre, la date reste à définir, mais il se pourrait que nous ayons une personnalité politique de premier rang qui viendrait l'inaugurer. Nous verrons. Des prochaines réunions pour le pacte et pour la réussite de la Sambre qui vont avoir lieu dès la semaine prochaine pour la deuxième version du pacte qui est en cours de négociation avec l'ensemble des acteurs. Le réseau de chaleur. Donc, après quelques soucis de circulation au centre-ville cet été, malheureusement, il y en aura encore un petit peu, parce que le 20 septembre vont démarrer la phase de la rue de la Croix. Mais je rappelle encore que le réseau de chaleur va pouvoir connecter 5000 logements et faire baisser ainsi la facture énergétique de ces logements. Et c'est un vrai projet écologique. Les travaux de cet été, donc le pôle Lafitte, donc la dernière phase d'aménagement pour les associations culturelles se termine. Jean Serra, je ne sais pas si vous êtes passé dedans, mais
Les nouveaux terrains, les vestiaires, le club house sont en cours de finition. Aussi, la rénovation des courts intérieurs sont toujours en cours de finalisation et les terrains extérieurs du tennis, pour cette fois, sont terminés. La rentrée scolaire s'est bien déroulée. Donc, des rénovations ont lieu dans les écoles. Le Pontalon pour 900 000 euros. L'école d'Audet-Pagnol pour 650 000 euros. Là, on finit ce qui a démarré, évidemment, depuis le début de l'année. Le Faubourg de Mons pour 120 000 euros et De Joyeuse pour 400 000 euros. Cet été, donc près de 2 millions d'euros quand même d'investis pour les écoles de la ville de Maubeuge cette année. Je me suis rendu au lycée Lursa dans le cadre de mes nouvelles délégations, mais aussi à la rencontre des équipes de direction du lycée Pierre Forêt. Évidemment, ce qui me tient à cœur, c'est la rénovation de Pierre Forêt. Les événements ont redémarré durant cette période. Les manifestations culturelles telles que Joli Jazz, qui s'est déroulée devant la place Ostro. Maubeuge en plage durant un mois, près de 25 000 participants. Malheureusement, les conditions sanitaires n'ont pas permis de pouvoir que les Maubeugeois puissent bénéficier à plein régime de Maubeuge plage. La réouverture du zoo, donc la naissance des deux panthères du Sri Lanka. Évidemment, en raison des conditions sanitaires, nous sommes à moins de 30% de fréquentation pour le zoo, notamment. Et quand il y a eu l'installation du pass sanitaire, ça avait encore dégringolé la fréquentation. Mais il y aura encore d'autres manifestations et nous en parlerons à la fin de ce conseil. Permettez-moi de rendre un hommage à trois personnes. Le 12 août, à 47 ans, Séverine Dupont, qui est ATSEM à l'école De Joyeuse, nous a quittés. Le 30 août, à Madame Liliane Port, qui était l'ancienne administrative du CCS et aussi présidente d'association, n'est-ce pas, Patricia Vital Senior, qui s'est beaucoup investie pour les seniors, qui nous a aussi quittés. Et aujourd'hui, se sont déroulées les funérailles de Madame Marie-Pierre Pellerio, qui était retraitée de la ville de Maubeuge et qui nous a quittés à l'âge de 66 ans. En leur nom, je vous propose d'observer une petite minute de silence. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions orales. Donc, j'ai eu une première question de Madame Angelina Michaud. Madame Michaud, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Maire. Je me permets de vous demander une question. La salle Fresnel devait être baptisée au nom de M. Cabardos, professeur de karaté qui a œuvré durant de nombreuses années, portant avec panache les couleurs de la ville de Maubeuge. Lors d'un précédent conseil municipal, il avait donc été décidé d'honorer la mémoire de M. Cabardos. J'ai été contactée par sa fille parce qu'elle n'a pas de nouvelles de vous. Donc je voulais savoir si la salle a été rebaptisée ou pas. Alors, vous avez compris, en raison des conditions sanitaires, on n'a fait aucune inauguration ces derniers mois. Donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, la future salle Maurice Cabardos n'a pas échappé à la règle. Une date a été fixée le 23 octobre, matin, et me semble-t-il, avec l'accord de sa fille. Ah bon, d'accord. Donc, je suis... Alors, peut-être que c'est votre relation date de quelques jours, mais ça a été... Ça a été finalisé, je ne sais pas il y a combien de temps, mais en tout cas, moi, j'ai la date du 23 octobre matin pour l'inauguration de cette salle. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je cède la parole à Monsieur Rombaud. Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, nous tous avons remarqué l'état des trottoirs, notamment leur enherbement anarchique, amplifié par l'interdiction, évidemment, des pesticides. Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation? Et si d'aventure vous faites le choix de ne rien y faire,
Cette décision s'appliquera-t-elle à tous les quartiers, y compris centre-ville, ou prévoyez-vous un traitement différencié? Le désherbage mécanique ne peut suffire. Dans toute entreprise, la démarche la plus efficace est d'écouter ses collaborateurs et de profiter de leur expertise. C'est d'ailleurs ce que je pratique quotidiennement. C'est un outil qui est d'ailleurs extrêmement puissant au niveau de la motivation. En mai dernier, un salarié municipal vous a proposé, par le biais d'une vidéo Facebook, une solution écologique et peu coûteuse pour traiter ces mauvaises herbes. Pourquoi celle-ci n'a pas été étudiée? Alors, Monsieur Rombaud, d'abord, dire une chose. Les trottoirs sont à l'achat... D'abord, il y a eu l'arrêt du glyphosate. Surtout des caniveaux. Je réponds à votre question. L'arrêt du glyphosate, d'abord, c'était sur les trottoirs qui était demandé. Je crois que c'est une disposition européenne. Et que nous avons aussi élargi au cimetière, dans lequel nous n'avons plus utilisé de glyphosate à la ville de Maubeuge il y a déjà quelques années. C'est un choix que nous avons fait aussi dans les cimetières. Évidemment, avant, c'était beaucoup plus simple. On mettait un peu de glyphosate deux fois par an et on n'avait jamais d'herbe. Aujourd'hui, ce n'est plus autorisé. D'ailleurs, dire que l'herbe n'est pas sale, ça, évidemment, sur le champ visuel, ce n'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais ce n'est pas sale d'avoir de l'herbe. Par rapport à votre question, je vous le dis, mais les trottoirs sont à la charge de l'habitant et non pas normalement de la ville de Maubeuge, même si la ville de Maubeuge le fait, bien évidemment, mais c'est à la charge de l'habitant. Et des fois, dans le journal municipal, le Maubeuge Mag, nous rappelons régulièrement les obligations des uns et des autres, mais la ville de Maubeuge a en charge le fil d'eau, bien évidemment, c'est sa responsabilité. D'ailleurs, l'urbanisme, évidemment, dans le passé, quand on pouvait désherber, c'était beaucoup plus facile, on mettait beaucoup de pavés. D'abord, vous avez encore des fils d'eau qui sont constitués de pavés. Et évidemment, ça va nous obliger, dans les années qui viennent, à retirer l'ensemble des pavés pour passer à un autre aménagement, quand il y aura la réfection des trottoirs, notamment pour le centre-ville. Vous dire qu'il y a un traitement différencié entre le centre-ville et les restes des quartiers, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce qu'en général, c'est... Et également répartis sur l'ensemble de la ville. Il y a des zonages qui sont révélés par les services. Par contre, c'est vrai que nous amplifions les zones où nous avons plus de détritus. Évidemment, c'est en général les grands boulevards. Et je déplore, des fois, on voit sur les boulevards des canettes, des bouteilles, des choses comme ça. Ce sont des gens, des automobilistes qui jettent par la fenêtre. Évidemment, on ne peut que le déplorer. Mais en tout cas, nous répartissons également. Donc je ne peux pas vous laisser dire que nous faisons une amélioration du centre-ville par rapport aux autres quartiers, ce qui est évidemment faux. Vous dire aussi qu'à la ville de Maubeuge, nous avons fait quand même l'acquisition de deux balayeuses, un goupil. Vous avez deux désherbeuses techniques, deux désherbeurs, trois désherbeurs techniques, aussi plusieurs véhicules pour désherber. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à rendre un petit hommage aux 33 agents de la ville du service propreté de la ville de Maubeuge qui font un travail remarquable. Et c'est vrai que les conditions météorologiques de ces derniers mois ne les ont pas beaucoup aidés. En général, au mois d'août, ça ne pousse pas de cette manière-là. Et là, évidemment, c'est en général la période des congés, vous avez compris qu'ils ont été un petit peu dépassés. Dépassés aussi parce que nous avons mis quelques priorités. Et la priorité que nous avons mise cette année, ça a été notamment sur les agents dans les écoles. Parce que nous avons fait beaucoup de travaux. Ça veut dire des travaux, ça veut dire des déménagements de classe qui ont été assez importantes, et nous avons priorisé, évidemment, les écoles de la ville de Maubeuge pour revenir sur la propreté, et puis pour ensuite revenir sur les remparts. Ça a été aussi quelques priorités pour la ville. Maintenant, vous faites allusion à quelqu'un qui m'aurait interpellé sur les réseaux sociaux. Je veux dire qu'un collaborateur qui interpelle le maire sur des réseaux sociaux, c'est un petit peu bizarre, quand même. Il peut le faire pas sa hiérarchie. Et vous faites état de votre brillant... de vos brillants talents de l'animateur, je ne pense pas qu'un de vos salariés puisse vous interpeller par Facebook. Vous auriez apprécié la chose. Il le fait, il vient vous voir, ou il vient voir sa hiérarchie pour le faire. Là, c'est assez bizarre. Maintenant, vous savez, le désherbage, mettre du sel, du vinaigre blanc chauffé avec du sel, du vinaigre blanc et chauffé, etc. C'est des procédés, mais malheureusement, ça peut se faire sur un jardin et à l'échelle de la ville, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà ce que je peux vous répondre. Donc, je ne vous laisse pas dire ça. Non, la propreté est vraiment un sujet. Mais encore une fois, c'est le fil d'eau que nous devons privilégier. C'est ce que nous faisons. Et encore une fois, je rends hommage à l'ensemble des acteurs de la ville pour ça.
Vous aviez une deuxième question, Monsieur Rombaud. En effet. Donc, Monsieur le maire, donc, suite à la lettre ouverte que j'ai publiée concernant l'avenir incertain de la filière cybersécurité à Maubeuge, Monsieur le Président de Région m'a informé qu'il vous transférait le dossier dans le cadre de vos nouvelles compétences régionales. Il en va de l'avenir de nos jeunes et de la crédibilité de Maubeuge, d'ailleurs, comme pôle de formation d'excellence. En témoigne la provenance au niveau national des étudiants inscrits dans cette filière, Lyon, Bordeaux, etc. L'avenir de notre territoire passera par sa capacité à attirer des entreprises de services innovantes, et la cybersécurité en est un élément essentiel. Même si nombre de nos concitoyens ne se rendent pas compte, néanmoins, le combat pour le maintien de cette formation est tout aussi vital pour notre avenir que le combat pour MCA. On nous a vanté l'avantage d'avoir un exécutif municipal en phase avec l'exécutif régional et départemental. Pensez-vous que cela est bien toujours une réalité qui va porter ses fruits ? Je vais céder la parole à Madame Ropital, parce que je pense que vous avez une question du même registre, ou Madame Villette peut-être, mais du même registre. Donc je vais mutualiser les questions, si vous le permettez. Surtout les réponses. La réponse, vous avez raison. Il y a quelques semaines, nous apprenions la possible et quasi inévitable fermeture de la licence professionnelle Cyber Défense Anti-Intrusion des Systèmes d'Information pour la rentrée 2003. Une mauvaise nouvelle de plus pour notre territoire. Dans l'article de presse locale du 12 août 2021, on apprend que vous avez adressé au président de l'Université Polytechnique Hauts-de-France un courrier pour trouver une solution. Le même jour, dans le même média, le même président vous sollicite pour que la région puisse nous apporter de l'aide et de l'appui. En 2008, nous étions les pionniers, les premiers en France à investir dans ce secteur innovant. En 2021, nous apparaissons comme les derniers de la région en termes d'attractivité du territoire pour les formations innovantes. Comment, en tant que maire et vice-président de la région, avez-vous répondu à la demande du président de l'université ? Alors, je ne peux pas vous laisser dire, Madame Villette, qu'encore une mauvaise nouvelle de plus. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que l'université, depuis quelques années, a plutôt multiplié les formations. Il y en a encore une qui va se créer, une formation tremplin. Nous allons accueillir le CNAM, nous allons accueillir le campus connecté à la ville de Maubeuge, avoir des nouveaux étudiants. Donc je ne veux pas vous dire que nous abandonnons la formation universitaire. C'est bien le contraire. Et d'ailleurs, la création de 93 logements étudiants à l'ancien tripostal dans les prochains mois, dans les travaux devraient démarrer début 2022, atteste que nous avons plutôt une dynamique dans ce sens. Comme vous, j'ai évidemment lu l'article de presse qui m'a un petit peu surpris, évidemment, parce que je n'en étais pas informé. Sur ça, nous avons évidemment, avec mes équipes, évidemment écrit au président Artiba pour lui dire notre interrogation par rapport aux éléments qui sont rapportés. Je l'ai eu plusieurs reprises sur le sujet. Évidemment, le vice-président en charge de l'université, qui est Daniel Leca, a aussi saisi. Moi, je suis au niveau de l'alternance et de l'apprentissage, mais vous avez un vice-président à l'université qui a aussi saisi, c'était aussi marqué par voie de presse, le président de l'université. Évidemment, je verrai prochainement d'abord le responsable du pôle de l'université. Évidemment, une réunion se prépare aussi avec M. Artiba. Je note aussi l'intervention du député Christophe Di Pompeo, qui a aussi travaillé sur le sujet, qui a aussi fait des propositions au président de l'université. Qu'en est-il ? Vous avez d'abord le changement entre une licence pro à une nouvelle réglementation qui s'appelle un BUT. Aujourd'hui, c'est une réforme réglementaire. L'intérêt de cette réforme, c'est que nous puissions garder la cybersécurité, évidemment, sur notre territoire. Je note aussi qu'il y a eu la création, il y a 2-3 ans, du master de cybersécurité. Il y a quelques années seulement, du master de cybersécurité. Donc il n'est pas, moi je vous le dis, envisageable que nous puissions perdre ce type de formation. C'est aussi une question d'organisation de l'université par rapport au nombre d'enseignants qui enseignent cette discipline université. Donc, et en plus, c'est à horizon de 2023. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les starting blocks pour aider l'université à maintenir cette formation. Donc nous sommes déterminés. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui des certitudes par rapport à ça, parce que nous sommes en train de
de finaliser les réunions entre les uns et les autres. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'agendas. Donc aujourd'hui, il faut les traiter. D'accord ? D'ailleurs, pour votre information, je me suis même rendu au FIC, qui était le salon, le forum de la cybersécurité la semaine dernière qui a eu lieu à Lille, pour prendre un certain nombre de contacts par rapport à l'ensemble des sociétés qui sont aussi présentes dans la cybersécurité. Ça date de la semaine dernière. Vous voyez, votre question, je l'ai aujourd'hui. Donc nous ne restons pas inactifs sur ce sujet-là, bien au contraire. Monsieur Rombo, vous avez une autre question ? Il y avait une question de Monsieur Dekeper. Ah, c'est Monsieur Dekeper. Et merci, Monsieur le maire, de laisser la parole. Je vais revenir sur une question qui avait déjà été posée lors du précédent conseil municipal. Il s'agit, et ça concerne le magasin Bouchara, Eurodiv Bouchara. Il semble que le délai pour préempter soit dépassé. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur ce point et sur les négociations entre la ville et l'acquéreur du bâtiment ? Merci. Alors, concernant... Non, ce n'est pas... Monsieur Bricolage, nous n'avons pas dépassé la date de préemption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la préemption a eu lieu, d'accord, et nous sommes dans les voies de recours par rapport à l'acquéreur qui voulait acheter ce bien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'ailleurs, ça doit se terminer vers le 23-24 septembre pour Bouchara. Donc, on n'a pas du tout raté la date de préemption. Nous sommes vraiment dans le droit de la ville. Il n'y a pas de débat aujourd'hui. Allez-y, monsieur de Kepper. On est dans le délai de 2 mois, alors. Oui, mais l'agglomération a délégué le droit de préemption à la ville. Nous avons préempté. Et maintenant, l'acquéreur qui voulait acheter Bouchara a 2 mois, évidemment, il y a des voies de recours. 2 mois, comme vous en avez pour l'ensemble des dispositions que nous prenons aujourd'hui, etc. Donc nous sommes dans le délai légal des recours. Pas plus que ça. Il peut toujours faire un recours. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. Nous avons perdu. Nous avions préempté Bata, dans le droit, sauf que nous avons perdu. Pourquoi ? Parce que la personne qui a signé la préemption à l'agglomération n'avait pas la signature. Ce n'est pas une question de la ville de Vosges, l'agglomération à l'époque n'avait pas le droit de préemption, donc nous avons perdu Bata. Triste, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a... Monsieur Rombo, vous avez d'autres questions ? Ou Monsieur Dekeper ? Non, c'est bien. Donc, dans le présent conseil municipal... Plusieurs réhabilitations sont au menu pour plus de 19 millions d'euros de rénovation de notre patrimoine culturel et nous espérons évidemment grandement que cela soit réalisé. Néanmoins, l'un des bâtiments les plus anciens de Maubeuge, en l'occurrence l'Arsenal, construit en 1683, est toujours à l'abandon. Le projet de logement étudiant étant abandonné, alors même que vous le présentiez comme certain et signé fort opportunément avant les élections, pouvez-vous nous présenter votre nouveau projet pour ce bâtiment, très cher au cœur des Maubeugeois, encore une fois complètement absente de la liste des rénovations annoncées lors de ce conseil. Alors, sur l'Arsenal, je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Arsenal, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises ici, sur ce bâtiment qui, évidemment, nous avons tous à cœur. Vous dire que la résidence universitaire est abandonnée, non, puisque je viens de vous dire qu'elle n'était pas abandonnée, parce qu'elle se fera au tripostal. Et à un moment donné, évidemment, il y avait une hésitation par rapport aux deux lieux, ça sera au tripostal. Vous dire que l'Arsenal, bien évidemment, vous avez d'abord évoqué 19 millions d'euros sur les projets culturels que nous avons votés au dernier conseil municipal. Je peux vous dire que le programme que nous avons est bien supérieur à 19 millions d'euros en termes d'engagement de la ville de Maubeuge concernant le patrimoine. Et d'ailleurs, la ville de Maubeuge, cette mandature... Et la mandature dernière, enfin le précédent mandat, nous avons déjà acheté un certain nombre de bâtiments. Bon, la CPM, qui est un vrai Lursa. Nous avons acheté la Banque de France, nous avons récupéré le pôle Lafitte. Nous avons récupéré, suite à la fermeture, que j'ai déplorée à l'époque, de la piscine Pasteur. Donc nous avons même récupéré les droits sur la maison de l'Éclusier. Donc ça veut dire que la ville de Maubeuge a pris possession... ou en gestion, l'ensemble du patrimoine historique de la ville. Voilà l'ambition que nous avons. Je pense que tout à l'heure, vous avez une autre question par rapport à ça. Je vais laisser votre question par rapport à votre question juste après.
Donc ça veut dire que ce n'est pas pour ça que nous allons abandonner l'arsenal. Par contre, il est vrai que l'arsenal, nous avons fait un autre choix de la CPAM pour porter des projets culturels, c'est un choix de notre part. Nous n'abandonnons pas l'arsenal, par contre, évidemment, c'est une rénovation qui est extrêmement coûteuse à 11-12 millions d'euros à minima. Et nous avons d'ailleurs voté en conseil municipal un BEA avec Parthenor. D'ailleurs, nous voyons avec Parthenor pour finaliser le programme que nous vous présenterons prochainement sur l'arsenal. C'est le dernier bâtiment sur lequel nous n'avons pas encore communiqué sur notre projet. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Voilà. Vous avez une autre question, Monsieur Rombaud ? Non, c'est pas vous ? Si, c'est... Non ? Il y a une autre question ? Attendez. J'avais pas une autre question ? Non, écoutez, j'ai pas. Bon, c'est tout. Écoutez, j'ai pas d'autres questions. Simplement vous dire, vous parlez aussi beaucoup du musée Boëz. Le musée Boëz, d'ailleurs, nous allons il va bientôt déménager dans les sous-sols de la CPM CAF, d'accord, pour la préservation des œuvres, si on peut dire ça, parce que t'as vraiment des conditions de conservation qui n'étaient pas terribles, faut l'avouer. Nous allons remettre les œuvres du musée Boëz. Dans la prochaine CPANCAF. Vous parlez aussi d'un lieu pour l'arsenal sur dans votre projet de résidence d'artiste ou encore de musée d'art de Maubeuge. Je vous ai bien lu notre programme. Par contre, vous êtes trompé de bâtiment parce que la Banque de France sera le futur centre d'interprétation. Et pourtant, j'avais déjà communiqué. Le futur centre d'interprétation de la ville de Maubeuge sur son histoire, mais dans ce laps de temps, nous allons accueillir le projet Muse. Nicolas en parlera tout à l'heure. Et vous parlez aussi de résidence d'artiste. La résidence d'artiste, d'abord, le projet de rénovation qui va avoir lieu du Théâtre du Manège pour été 2022 a aussi dans son projet la rénovation des Cantuennes, dans lequel nous allons continuer les résidences d'artistes, parce qu'il y en a déjà quelques-unes, nous allons les continuer. La ville de Maubeuge a acheté rue de la Croix une maison qui est contiguë au bureau du Théâtre du Manège, dans lequel nous avons fait une convention de mise à disposition au Théâtre du Manège pour créer 4 ou 5 résidences d'artistes. Et nous avons pris aussi le logement de fonction du principal adjoint du collège Coutel, qui abrite aujourd'hui les services culturels, qui sera encore une fois, quand le service culturel déménagera à la CPMCAF, une future résidence d'artistes. Donc, nous avons des projets pour l'ensemble des bâtiments que nous avons achetés au nom de la ville de Maubeuge pour pouvoir porter des projets culturels importants. J'ai fait le tour des questions. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vérifie. Non plus. Vous avez une délibération qu'on a mise sur table sur une garantie d'emprunt pour l'ADUS. Je vous propose d'étudier cette délibération. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Non, personne s'y oppose. Donc, je vais l'inscrire à l'ordre du jour. Je vous remercie. Je vous informe aussi que c'est Madame Gras et Madame Gras. Ah, elle est arrivée. Bonjour Michel. Et non, Monsieur Refas qui présenteront la délibération sur la création et l'installation et financement du campus connecté, parce que c'est une délégation de Madame Gras. Et pour en finir, une rectification sur la délibération 42 intitulée « Modification du tableau d'effectifs » s'agissant du poste de juriste. Il s'agit d'un poste d'attaché de catégorie A et non de catégorie B. Donc je vous propose, si ça ne vous embête pas, de l'inclure évidemment dans les délibérations. Je ne pense pas. Je vous remercie. Nous avons d'abord une motion. Alors... Je ne vais pas vous lire toute la motion, mais je vais vous faire une synthèse de la motion, si vous le permettez. Évidemment, la loi impose aux particuliers qui résident à l'écart des territoires urbains et ne bénéficient pas d'assainissement collectif d'assurer eux-mêmes le traitement des eaux usées. Je vais quand même lire la motion. Le coût moyen d'une installation d'assainissement non collective s'élève dans ce cadre à environ 12 000 euros contre 2 000 euros en secteur d'assainissement collectif.
Le service public d'assainissement non collectif, le SPANC, de la communauté de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre n'a pas compétence facultative pour la gestion à la demande du propriétaire à ses frais de l'entretien des installations, des travaux de réalisation et la réhabilitation des installations. Les modalités d'aide financière sur les réhabilitations d'installations d'assainissement non collectif adoptées par l'agence de l'eau Artois-Picardie pour son 11e programme d'intervention 2019-2024 ont évolué par rapport au programme précédent. Depuis 2010, la communauté d'agglomération a accompagné un certain nombre de dossiers de subventions d'accompagnement d'assainissement non collectif au cours des précédents programmes prévus au plan pluriannuel concerté signé annuellement avec l'agence de l'eau Artois-Picardie. En phase de finalisation du 11e programme 2019-2024, le recours à la maîtrise d'ouvrage public obligatoire a été proposé par l'agence de l'eau Artois-Picardie en réponse à la lettre de cadrage du ministère d'Écologie d'août 2018 imposant l'abandon pur et simple de toute aide financière sur l'ANC. Au final, la proposition de l'agence de l'eau Artois-Picardie a été validée par le nouveau ministre en fin d'année 2018. Parallèlement, la maîtrise d'ouvrage privée a également été validée par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Enfin, même si on peut comprendre la volonté de l'agence de l'eau de concentrer ses efforts sur les territoires les plus sensibles, les territoires ruraux, tout propriétaire, via sa facture d'eau ou celle de son locataire, contribue au financement de l'agence de l'eau. Dans ces conditions, il paraît logique et équitable que tout propriétaire d'un logement non raccordable à l'assainissement collectif puisse bénéficier d'une aide de réhabilitation de l'ANC sous réserve d'un impact sanitaire et ou environnemental avéré. Il est à noter que les travaux d'assainissement collectif bénéficient toujours du concours financier de l'agence de l'eau Artois-Picardie, créant ainsi une véritable rupture d'égalité entre ceux qui habitent en zone d'assainissement collectif et ceux en zone d'ANC. De plus, les aides d'ANC proposées par l'agence de l'eau Artois-Picardie, sous réserve d'une maîtrise d'ouvrage public, appellent à un constat émis par des recours d'expérience au niveau national, souvent négatif, à savoir une augmentation du coût du fait du passage des marchés publics, des alourdissements de procédures, des difficultés de réalisation des travaux en terrain privé, la responsabilité de la collectivité sur le choix et la réalisation des filières d'ANC. Étant donné ce qui précède, le Conseil communautaire Maubeuge-Val-de-Sambre sollicite le président du comité du bassin Artois-Picardie, afin qu'une adaptation des conditions d'attribution des aides à la réhabilitation des installations d'ANC soit mise en œuvre dès que possible, en supprimant le caractère géographique et autorisant de nouveau la maîtrise d'ouvrage privé par dérogation. Dès lors, évidemment, je vous propose évidemment de soutenir la démarche du président de l'agglomération. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, des abstentions non plus. Je vous remercie. Vous avez eu communication des décisions que j'ai prises en votre nom entre le 8 mai et le 12 août 2021 par rapport au CGCT. Y a-t-il des questions ? Madame Ropital. Merci, monsieur le maire. Sur les arrêtés, là, on a vu l'arrêté 1517. Vous parlez d'un arrêté sur la cybercécité. Je suppose que c'est sécurité. Et les arrêtés 2014 à 2026, il est précisé, en cours de signature, sera présenté au prochain Conseil. Alors, attendez, vous me dites laquelle ? Alors, il y a 1517. Alors, la 1517. Alors, si elles sont dans l'ordre, c'est ça, acte de candidature sur la cybercécité. Oui. Oui, vous avez raison. C'est la cybersécurité, bien évidemment. Et d'ailleurs, nous avons été subventionnés, à hauteur de 90 000 euros. D'ailleurs, une des rares villes qui a été subventionnée. Nous avons eu une notification. Après, la 2014 à 2026. 2014 à 2026, oui. Pourquoi il est marqué en cours de signature, sera présenté au prochain conseil ? Alors, je vais me retourner. Bon, on va vous faire une réponse écrite, Madame Ropital. Et puis j'avais une question à vous poser parce que on a vu qu'il y avait des arrêtés concernant le NRJ Tour. Oui. Et comme on nous pose la question et on n'est pas capable de répondre, vous pouvez nous donner une idée du coût de cette manifestation ? Oh, je peux vous le dire, je vais vous répondre. Le NRJ Tour, il coûte environ 100 000 euros, environ, hein, scène comprise, spectacle, etc. Alors je suis bien que vous êtes impressionné
par le nombre d'artistes qu'il peut y avoir à Énergie Music Tour. Je vous comprends. C'est vrai que c'est assez impressionnant, je vous l'accorde. C'est l'objet de la question, oui. Quand on nous pose ça. Non, alors il faut comprendre que nous achetons un concept à Énergie chaque année. Le prix ne varie pas. Le prix ne varie pas. Le prix ne varie pas. Et évidemment, nous ne connaissons pas les artistes préalablement. Un mois avant, nous ne les connaissons pas. Cette année, je pense que il y a beaucoup d'artistes qui veulent maintenant se reproduire. C'est pour lequel ils ont réussi à avoir un plateau assez large. Je suis très heureux, d'ailleurs. Il y a deux ans, nous avons fait 14 000 personnes. Là, on a un superbe plateau. Ça ne coûte pas plus cher à la ville de Maubeuge. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire d'avoir un plateau comme celui-là avec le nombre d'artistes. Donc je suis très heureux pour la jeunesse, parce que ça cible en priorité la jeunesse, même si on aime tous y aller. Maintenant, nous avons eu la difficulté que nous avons, alors je fais une grosse digression là-dessus, mais nous avons eu, de par la sécurité et les règles sanitaires, etc., une jauge maximum à 10 000 personnes. Je pense qu'on aurait fait plus de 20 000, sincèrement. D'abord, on a une jauge maximum sur le parking de l'Ursa à 15 000. Donc même 20 000, on n'aurait pas pu les faire. Après, il faudra que je trouve... Sculfort, je sors. Sculfort. Malheureusement. Donc ça veut dire qu'on était très embêtés. Et donc c'est pour ça que nous avons privilégié les Maubeugeois dans la distribution, parce que c'est la ville de Maubeuge qui paie 100% de cette animation. Et on n'a pas d'autres aides. Donc c'est pour ça que nous avons privilégié, c'est la première fois que nous faisons ça, nous avons privilégié les Maubeugeois, notamment dans les premières places, et évidemment, après le reste, puisque Maubeuge est quand même la ville centre, donc évidemment on va en distribuer aussi à l'extérieur, mais on a vraiment privilégié les Maubeugeois dans cette distribution, parce que autrement, je ne vois pas comment on aurait pu faire pour distribuer 10 000 places autrement. Et si les Maubeugeois eux-mêmes n'en bénéficient pas, alors que c'est quand même le fruit de leurs impôts, mine de rien, c'est pour ça que c'était une orientation de notre part. Mais encore une fois, c'est 10 000 personnes maximum. C'est la jauge que nous a imposée la commission de sécurité et la sous-préfecture. 100 000 euros, c'est la technique. Oui, mais c'est... Alors, monsieur Coulon, il est impatient, parce que c'est... Non, voilà, c'est, mais c'est 100 000 euros, c'est tout. Hein, c'est la technique, c'est la technique, c'est le catering, c'est la scène. Ça coûte ça, la ville de Maubeuge. Quand je vous dis 100 000 euros, je ne suis pas à 2-3 000 euros près, mais c'est à peu près ça. D'accord. Et ça nous coûte d'ailleurs moins cher que ce qu'on avait fait au préalable, le Contact FM, qui nous coûtait un peu plus cher. Et là, ça coûte un peu moins cher, mais la ville a repris un stand de la gestion de la scène, etc. Voilà, j'ai répondu à la question. Vous en avez d'autres, peut-être? Voilà. Et j'en parlerai tout à l'heure, hein, à la fin de ce conseil municipal, mais j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Rombaud. Oui, monsieur le maire. On a une décision, effectivement, du 7 mai. La 1285 qui attribue les marchés des stades Jean Serra donc à la société Idée Verdi de Bouchain, donc les deux marchés pour un montant de 1 091 000 euros. On regarde les réalisations justement de l'entreprise Idée Verdi à Maubeuge, hein, si on regarde les dernières, l'aménagement du rond-point du lycée dont le résultat n'est pas très engageant pour un coût de 50 000 euros, mais aussi les déboires aquatiques du square Hélène Boucher. Quelles peuvent être les motivations de continuer avec cette entreprise finalement? Monsieur Rombaud, il y a une commission d'appel d'offres. D'accord. D'abord, il y a une commission d'appel d'offres dans laquelle vous faites, je pense, partie. Et vous n'étiez pas là, de mémoire. Je pense que Mme Villette était présente. Vous avez... il y avait un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées. Il y a une analyse technique qui a été faite par les services avec des notes. Nous avons répondu à la note technique. Mme Villette était présente. Je crois que ça s'est même fait à l'unanimité. Des votes de la CAO. Donc il y a une commission, une CAO qui vote, d'accord, pour ça. Voilà, ok. Et après vous parlez de certaines opérations. Je ne suis pas sûr que ça soit tous si déverdé sur lequel. Je pense qu'ils ont eu que les stades. Enfin bon, je souhaite. Mais voilà, Monsieur Rombaud. Mais je vous invite à venir à la commission d'appel d'offres et vous pourrez enfin dire ce que vous pensez par rapport au choix de cette commission d'appel d'offres. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, la parole est libre et globalement, ça s'est toujours fait pratiquement à l'unanimité. Pratiquement. Des personnes présentes. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon.
Vous avez eu communication du procès verbal du 28 juin, du conseil municipal du 28 juin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce compte-rendu, Madame Ropital? Merci, Monsieur le maire. Sur ce compte-rendu, il est bien reproduit que j'avais posé une question sur le compte-rendu du conseil municipal du 9 mars, où il y avait des erreurs sur les délibes. Vous nous aviez demandé à l'époque de vous accorder notre confiance, ce que nous avons fait, et que vous alliez m'écrire. Là, déjà, à ce moment-là, vous alliez l'écrire pour rectifier. Je n'ai rien reçu. Bon, alors, nous allons, croyez-moi encore sur confiance, vous écrire, Madame Ropital, sur cette correction. C'est possible. C'est possible. Mais je ne voudrais pas que vos propos soient déformés. Déformés, bien évidemment. Je vous propose de voter ce compte-rendu, ce procès-verbal du conseil municipal qui s'abstient. Personne qui vote contre, personne. Je vous remercie. Ensuite, la question concernant le programme de prévisionnel de revitalisation du centre-ville. Depuis plusieurs années, la ville de Maubeuge a développé une stratégie de soutien au commerce de proximité en partenariat avec Maubeuge Shopping. Nous avons développé les prêts d'honneur cœur de ville, la création d'une boutique à l'essai, le périmètre sauvegarde du commerce, la participation à la journée nationale du commerce de proximité, le développement d'une marketplace pour les commerces avec mes commerçants du Grand Hainaut en lien avec la CCI et d'autres opérations d'ailleurs. Dans le cadre de la crise sanitaire, des aides exceptionnelles ont été allouées pour maintenir le commerce implanté à Maubeuge. La ville souhaite aujourd'hui aller plus loin et en amplifiant son intervention sur l'immobilier commercial. Elle l'a déjà fait cette année en nom propre sur un certain nombre de locaux. L'objectif est de disposer d'un levier pour favoriser l'installation de commerces de qualité et variés pour compléter et développer l'offre existante. Pour développer cette intervention sur l'immobilier commercial, la ville souhaite avoir recours à une concession d'aménagement sur 10 ans, avec pour objectifs principaux de maîtriser une vingtaine de cellules, d'y réaliser des travaux et de gérer ces cellules pour y installer les commerces identifiés dans le cadre d'un diagnostic. Le montant de la concession est estimé à 3 580 000 euros hors taxes sur les 10 prochaines années. Le lancement de cette concession donne lieu à la mise en place d'une commission ad hoc, également inscrite à l'ordre du jour du présent conseil municipal. Donc, évidemment, on vous propose d'approuver le lancement de la procédure de mise en concurrence afin de procéder à la réalisation de l'opération de revitalisation du cœur de ville, d'approuver le périmètre de la future concession. Vous avez vu qu'il va du rond-point du cinéma jusqu'à la place Vauban, en passant sur une partie de la rue Roosevelt pour un axe prioritaire et un axe secondaire, la rue du 145e et la continuité de la rue Roosevelt. Donc d'approuver le programme prévisionnel de l'opération de revitalisation décrit dans la présente délibération, de m'autoriser, moi ou mon représentant en qualité de personne habilitée, à engager les discussions, donc vous m'autorisez à engager les discussions, d'autoriser donc le maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires au lancement de la consultation des concessionnaires, et le maire ou son représentant à signer et à publier tout acte et tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. Aussi vous dire que nous pouvons évidemment, de par ce biais-là, avoir un effet de levier, évidemment, avec aussi des collectivités qui peuvent aussi nous aider dans le cadre de cette concession. Voilà l'intervention directe. Pour vous dire, la ville de Maubeuge a cette année acheté 1 million d'euros de foncier commercial sur la ville de Maubeuge. On l'a fait de manière exceptionnelle, dont évidemment le Bouchara est la plus grosse opération. L'objet, c'est d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus réactif sur l'ensemble du périmètre et évidemment de faire des choix en fonction d'appels à manifestation d'intérêt sur le choix d'une typologie de commerçants que nous voudrons installer. Évidemment, le but, c'est d'installer les futurs commerçants dans des conditions acceptables pour pouvoir, évidemment, faire leur commerce. Y a-t-il des questions? Monsieur Rombaud, Madame Villette. Monsieur Rombaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération pose des questions de cohérence en matière d'aménagement commercial du centre-ville.
vouloir mettre en place un contrat de concession, c'est un peu copier, en quelque sorte, ce qui se fait actuellement à Valenciennes. Or, nous ne sommes absolument pas dans la même situation. Là où Valenciennes a 11 à 12% de vacances commerciales, nous en avons plus de 30. Là où Valenciennes a un centre commercial de cœur de ville, vous n'en voulez pas. Ainsi, le concessionnaire à Valenciennes peut pratiquer des tarifs à la hauteur de son attractivité de centre-ville. À Maubeuge, des tarifs comparables à ceux de Valenciennes n'attireront personne. La faiblesse de notre attractivité rend nécessaire la mise en place de solutions en régie, sans qu'aucune marge ne soit pratiquée, avec des tarifs 3 à 4 fois inférieurs à ceux pratiqués actuellement par une majorité de bailleurs privés, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 3 000 euros pour 100 mètres carrés, soit jusqu'à 30 euros du mètre carré. Par l'intervention de ce concessionnaire, quel est votre objectif du coût locatif au mètre carré? Madame Binette. J'avais une question concernant les boutiques à l'essai. Nous en avions une dans le centre-ville, la boutique qui vendait des articles de danse qui a malheureusement fermé et donc qui est relevée du statut de boutique à l'essai. J'ai vu qu'il s'agissait maintenant d'un centre de dépistage Covid. Comment y a-t-il eu une modification du statut du lieu pour accueillir ce centre de dépistage? Comment ça s'est-il passé? Sur quelle base a-t-on laissé tomber définitivement le concept de boutique à l'essai ou, voilà. Alors, d'abord, je vais reprendre à M. Rombaud, si vous permettez. Je vous en prie. D'abord, M. Rombaud, je ne vous laisse pas dire qu'on abandonne le projet d'un projet de cœur de ville, etc., qu'on abandonne le commerce, c'est entièrement faux. Regardez l'opération de la clouterie, regardez Bouchard à l'intervention que nous faisons, je ne vous autorise pas à dire des choses comme ça. C'est entièrement faux. Maintenant, il faut l'espace foncier pour le faire. L'espace foncier pour le faire, et ce n'est pas simple. Et le seul espace foncier que nous avons, c'est dans le périmètre de la gare. D'accord ? C'est le programme de la gare. Bon. Et nous n'avons pas. Alors, vous allez me dire, oui, à la clouterie, on peut faire un programme, un supermarché. Ben, d'abord, bon courage, parce que je peux vous assurer qu'on est sur, aujourd'hui, on travaille sur l'aménagement de la clouterie et on a les zones inondables. Vous avez vu les fouilles préventives qui vont arriver. Et je pense qu'il y aura des fouilles archéologiques du derrière le point nature, d'abord aussi sur des terrains qui, aujourd'hui sur des terrains que nous sommes en train de négocier aussi par rapport à, non pas la VNF, mais la PJJ, aussi avec, et nous avons eu l'autorisation sur les terrains du Cannes, donc nous n'avons pas la superficie et de par la typologie des terrains que nous avons là, de faire autre chose à cet endroit-là. Et déjà, nous sommes déjà extrêmement volontaristes sur cette dossier de la clouterie. Donc, nous n'avons pas ça. Donc, je ne vous autorise pas de dire que nous sommes contre une galerie commerçante au centre-ville. C'est entièrement faux. Deuxièmement, concernant M. Rombaud, on a un programme d'investissement qui est assez élevé. On ne peut pas faire entrer plat fromage avec le budget municipal, sur les différents projets, ce n'est pas possible. À un moment donné, on peut tout dire, on peut tout écrire. Vous savez, le papier ne vous dira jamais que vous avez tort. Et on peut raser gratis, on peut tout développer, on peut tout faire. La réalité budgétaire de la ville de Maubeuge, ce n'est pas celle-là. Il faut faire des choix. Les choix, c'est des projets culturels ou des projets sportifs, mais il faut faire des choix. 1 million d'euros cette année. On fait une opération à levier pour aller chercher 3 millions d'euros pour acheter des commerces. Alors, évidemment, je ne peux pas vous dire la tarification. Ça va être une discussion que nous allons avoir avec les futurs concessionnaires. Et je ne vais pas donner aujourd'hui les règles du jeu parce qu'il y aura une discussion. C'est l'objet de cette délibération. On a des effets de levier pour que ça ne coûte pas coûte rien à la ville. Qu'on ait une démarche volontariste pour acheter du commerce. Et nous n'avons pas attendu de le faire. Nous l'avons fait cette année, etc. Et à un moment donné, vous êtes contre. Parce que vous voulez que ça soit en régie. Vous voulez tout faire en régie. Mais vous savez, à tout faire en régie, on est proche de la catastrophe. Proche de la catastrophe. Et c'est votre politique, surtout. Sur une émeraude en régie, sur des pistes. On va à la catastrophe. Et là, on a un effet de levier. Donc, ça fait 4 ans que nous travaillons sur ce dispositif. Nous avons un petit peu attendu. Avant, c'était des cracks, c'était un petit peu compliqué à mettre en place, etc. Là, nous avons l'opportunité. Nous le faisons. Et encore une fois, il faut des partenaires aussi, attirer des partenaires pour qu'ils puissent intervenir aussi dans le cadre de cette concession. C'est extrêmement compliqué. Et là, franchement, aller chercher un prestataire à plus de 3 millions d'euros, bah, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Alors, on peut toujours faire mieux, d'accord ? On peut toujours faire mieux, mais c'est quand même pas si mal que ça. Et encore une fois, le budget municipal, on ne peut pas dire
après, quand on analyse le compte administratif, vous avez trop dépensé, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent, etc. Et d'un autre côté, toujours aller faire plus quand il y a un moment des dépenses. À un moment donné, il faut être rationnel. Et ce n'est pas possible autrement. Donc là, c'est l'opportunité de le faire par quelqu'un. L'important, à Maubeuge, c'est pas que la ville fasse tout, c'est que les choses se fassent sur le territoire de la ville. C'est ça le plus important. Que ça peut être un privé ou la ville de Maubeuge, c'est sur ça que nous devons nous développer. Et là, c'est l'opportunité de le faire. Et à quelque chose de très maîtrisé, parce que ça sera écrit dans le cadre de la concession. Voilà. Et les personnes qui seront désignées dans la concession auront leur mot à dire sur le choix et les conditions du concessionnaire, dans toute transparence. Je pense que j'ai... Madame... alors, j'ai pas répondu à Madame Villette. Oui, Class Dance. Malheureusement, Class Dance. La pandémie a été catastrophique parce qu'évidemment, les cours de danse ne sont pas... Il n'y a pas eu de cours de danse, etc. Nous avions fait une exonération avec le Covid du loyer que nous avions et malheureusement, le commerce n'a pas tenu. Bon, j'en déplore. Là, ponctuellement, dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons préféré prêter le commerce mettre à disposition le commerce avec un laboratoire qui peut faire des tests antigéniques pour pouvoir, après, que des personnes qui se font tester, qui ne sont pas encore vaccinées, puissent après aller dans les commerces avec un test ou dans les restaurants ou dans les cafés. C'est le choix, c'était la demande des commerçants. C'est pour ça que nous avons répondu à leur demande. Maintenant, ça, c'est très ponctuel. Évidemment, il y aura un nouveau appel à projet pour cette boutique à l'essai. Il y aura aussi une deuxième boutique à l'essai sur un autre commerce que nous avons acheté. Mais nous y reviendrons. Je pense que j'ai répondu... Madame Michaud, faut faire la main avant, s'il vous plaît. Mais je vous laisse la parole. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Moi, ce n'est pas une question. C'est juste pour valider vos propositions pour relancer l'activité Cœur de Ville, car elles vont dans le même sens que les propositions que nous avions proposées lors des dernières élections municipales. Voilà, c'est uniquement pour vous dire ça. Écoutez, tant mieux. Je ne les ai pas lues, mais tant mieux. Je vous propose de voter. Qui s'abstient ? Personne. Qui vote contre ? Deux votes contre. Donc le reste des personnes votent pour. Je vous remercie. Il s'agit évidemment de nommer les membres de la concession. Je propose une liste unique. D'accord ? Alors il y a deux façons, je vais être très direct, par rapport, évidemment, il y a une modification par rapport à l'arrêté de... Aidez-moi. De Martigues. D'accord ? Bon, par rapport à ce qui est présenté à la délibération. Si je fais le choix des listes, il y en a 8 pour la majorité, 2 pour la liste de Maubeuge, plus belle ma ville, et 0 pour les autres. Ce que je propose, c'est une liste commune, 7 pour la majorité, 2 pour la liste plus belle ma ville, et 1 pour la liste de M. Rombaud, pour que vous puissiez, M. Rombaud, évidemment, avoir tous les éléments dans un but démocratique, parce qu'en plus, vous pourrez avoir un suppléant avec M. De Keyper. Donc, je vous propose les noms suivants, si vous acceptez. Est-ce que vous acceptez cette démarche ? Oui ? Oui, on est démocrate, hein ? On ne peut pas faire mieux. Alors, je propose en membre titulaire, Marie-Charles Lally, Dominique Delcroix, Myriam Berthaud, Jean-Pierre Coulon, Annick Lebrun, Nicolas Leblanc, Jeannine Pack, Madame Villette, Madame Ropital et Monsieur Rombaud, en suppléant. Monsieur Refas, Monsieur Lococciolo, Madame Gras, Monsieur Bounois, Monsieur Kies, Monsieur Ada, Monsieur Moulard, Monsieur Pauvros, Monsieur Wallet et Monsieur De Keyper. Ça correspond à ce qu'on s'est dit. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Donc je vous propose de voter cette liste. Qui vote pour ? Attention, il y a un piège. Donc tout le monde vote pour. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Ben évidemment, je comprends, Madame Michaud, c'est normal. Donc, je vous remercie et félicitations aux membres de cette future commission. Ensuite, remplacement d'un conseiller municipal déclaré inéligible par le tribunal administratif du 12 avril 2021 au sein de la commission municipale environnement, voirie, espace vert, transition énergétique et propreté. Donc, c'était Monsieur Émeric Merlot. Avait été désigné par les membres de la commission. Évidemment, maintenant, c'est Madame Angelina Michaud qui devient
qui le remplace dans ses fonctions de conseiller municipal. Donc c'est pour ça que je vous propose de voter la liste de l'ensemble des personnes qui seront dans la future commission, donc M. Delcroix, M. Kies, M. Bounois, M. Danels, Mme Roger, M. Lecocciolo, Mme Ropital, Mme Villette. C'était M. Dekeper et Mme Michaud. C'est ça, hein? Est-ce que ça vous convient à tout le monde? Oui. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Personne. Je vous remercie. Surclassement démographique de la ville de Maubeuge. Donc, le but de cette délibération, je l'ai présenté en commission, c'est le but de redemander évidemment le surclassement. La ville de Maubeuge, qui a à peu près 30 000 habitants, a un surclassement de 40 à 80 000 habitants. Le but, évidemment, c'est de renouveler notre demande de surclassement. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre? Non plus. Je vous remercie. Une décision modificative, c'est la diminution de 41 300 euros sur la ligne autre agencement et aménagement, et de remettre ces crédits sur des frais d'études. Sur des frais d'études pour 41 300 euros. Donc c'est juste un changement de ligne, mais nous devons le passer en conseil municipal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre? Non plus. Je vous remercie. Pardon, vous avez une question? Je ne vous avais pas vu. Non, je n'avais pas une question. J'avais juste une remarque à vous faire. Nous nous abstenons pour cette délibération, tout simplement par un constat simple. En matière budgétaire ou quand on est au compte administratif, on n'a régulièrement pas de réponse claire à nos demandes. On n'a pas une vue et une clarification de certains points. Et donc, à ce titre, nous nous abstenons. Très bien. Donc, abstention du groupe Maubeuge Plus Belle la Ville. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions? Madame Michaud. Les autres, M. Rombaud, voté pour. Donc, très bien. Et le groupe majoritaire pour. Je vous remercie. Une subvention de... C'est moi, après? Non, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Subvention de fonctionnement à l'association du CLIC Val de Sambre au titre de l'année 2021. Évidemment, cette somme est inscrite au budget général. Et là, nous allons attribuer la somme de 2 800 euros au CLIC Val de Sambre, évidemment, pour ses missions d'intérêt public local et les besoins à la population à laquelle l'association vient en aide. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre? Non plus. Je vais vite, mais ce sont des délibérations extrêmement techniques, donc je ne vais pas... passer plus de temps. Enfin, voilà la délibération concernant les garanties d'emprunt de l'ADUS. L'association de l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre, l'ADUS, sollicite la ville de Maubeuge afin de garantir un emprunt qu'elle souhaite contracter en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de ses bureaux. La garantie sollicitée par l'ADUS correspond à 50% du montant du prêt, de 50% restant. Le reste sera garanti, 50%, par l'agglomération. Et vous aurez au prochain conseil communautaire, pour ceux qui sont conseil communautaire, évidemment, la même délibération. L'emprunt pour lequel ces garanties est demandé s'élève à 325 000 euros. La garantie de la ville de Maubeuge sur cet emprunt se porte à hauteur de 162 500 euros. Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes. Durée du prêt 15 ans, périodicité de remboursement mensuel, le taux 0,99%. Montant de l'échéance hors assurance, 1943,68 euros. Frais de dossier, 2400 euros. La ville s'engage à effectuer le paiement en lieu et place de l'emprunteur et pour quelque motif que ce soit, si celui-ci ne s'acquittait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus sur la simple demande de l'établissement bancaire en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur, la caisse d'épargne et l'ADUS et assigne la convention de garantie avec cet organisme définissant exclusivement les rapports entre la ville de Maubeuge et l'emprunteur, l'ADUS, pendant toute la durée du remboursement du prêt. Alors le but, c'est évidemment l'installation dans ce qu'on appelle la maison Lévesque, parce que sur le plan cadastral, à l'époque, c'était la maison Lévesque, qui est un vrai lursa, et qui sera évidemment le futur siège de l'ADUS, et c'est la réhabilitation de ce bâtiment. Et c'est pour ça qu'il sollicite la ville et l'agglomération pour garantir cet emprunt.
Est-ce que vous avez des questions ? Madame Villette, pas d'autres questions ? Madame Villette. En fait, la DUS, c'est un service globalement qui n'est pas pour la ville de Maubeuge. Donc, je ne comprends pas pourquoi la ville de Maubeuge s'engagerait plus que les autres par rapport à cet emprunt. Quelle est l'aglo s'engage à 50%, finance aussi d'autres services. Pourquoi s'engager de cette manière, même si le bâtiment se trouve à Maubeuge ? Bon, d'abord, évidemment, la DUS s'est retournée vers les deux plus grosses collectivités. Qui sont la ville de Maubeuge et que sont l'agglomération. Vous l'avez dit dans votre question, mais c'est sur la ville de Maubeuge. C'est un vrai bâtiment l'URSSA. Ça doit être aussi fait dans les règles de l'art. C'est pour ça, évidemment, que nous intervenons au titre de cet emprunt de 162 000 euros pour la ville de Maubeuge. C'est pas grand-chose. Et vous le savez aussi, cette association est sous subvention de ces collectivités-là. Donc il y a un risque de défaillance de cette association qui est extrêmement faible. Y a-t-il d'autres questions ? J'ai répondu à votre question. Je vous propose de voter cette délibération. Qui s'abstient ? Personne. Qui vote contre ? Personne. Donc à l'unanimité, sauf ma personne. Vous l'avez compris, je suis vice-président de la DUS, donc je ne peux pas voter cette délibération. Donc je ne prendrai pas part au vote. Et je passe la parole à Nicolas Leblanc. Merci, monsieur le maire. La délibération numéro 10 concerne une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles pour financer le poste de responsable du musée Boé. Donc il s'agit d'un poste occupé par une attachée de conservation du patrimoine qui exerce tout à fait brillamment d'ailleurs les fonctions de responsable des collections municipales. C'est elle qui a, pendant l'été, organisé l'exposition sur l'histoire du musée à la salle Ostro, qui travaille à l'ouverture en 2022, d'une antenne préfiguratrice de la réouverture future du musée au pôle Lafitte, qui travaille également au futur déménagement des réserves au sous-sol de la CAF CEPAM et, bien entendu, qui travaille au projet de réouverture du musée dans le cadre de la future maison de la culture, qui doit donc prendre place dans l'ancienne CAF CEPAM, projet que vous connaissez, que nous avons déjà évoqué ici, où il s'agit de nouer plusieurs usages, à la fois celui de la lecture publique, de la médiathèque, du musée et des formations. Nous proposons donc de solliciter à nouveau la subvention de la DRAC. C'est la deuxième année dans le cadre d'un cofinancement de 3 ans. Des questions ? Il n'y en a pas ? Des abstentions, des votes contre ? Non plus. Je vous remercie, Nicolas. Ensuite, je propose de lier les délibérations 11 et 12, puisqu'elles portent sur toutes les deux sur le théâtre du Manège. Donc, je vais me permettre de faire une présentation. Donc, il s'agit des travaux de réhabilitation du théâtre du Manège, que vous connaissez là aussi. Donc, je vais me permettre de les résumer rapidement. Le théâtre actuel date de 1983. Il a besoin d'un coup de jeune, mais ce que nous proposons avec ce projet, c'est plus qu'un coup de jeune. C'est une véritable montée en gamme du site du théâtre du Manège, avec d'une part une rénovation, une réhabilitation du théâtre lui-même, en respectant bien entendu le bâtiment historique, en conservant la jauge de la salle, mais avec une modification substantielle qui sera le fait de rehausser la cage de scène de manière à donner à cette salle les capacités techniques d'accueillir la majeure partie de la programmation du manège. C'est-à-dire qu'actuellement, faute d'un grill, on appelle ça un grill suffisamment élevé, il y a toute une partie de la programmation qui doit se tenir ailleurs, en particulier à la Luna. Avec ces travaux, nous permettons au manège d'avoir cette salle principale qui soit vraiment, dorénavant, son vaisseau amiral et que la totalité de la programmation puisse s'y tenir. D'autre part, il y a la réhabilitation des cantuènes avec l'accueil d'artistes et puis des aménagements urbains de manière à ce que l'y ait de manière visuelle, évidente pour les visiteurs, pour les gens qui viennent au théâtre, pour les Maubeugeois, un site avec un caractère unique entre d'un côté le théâtre, de l'autre le béguinage des cantuènes, de manière à ce que on se dise quand on arrive sur place, eh bien ici on est au théâtre du manège. Le projet s'élève à près de 10 millions d'euros.
Il réunit plusieurs partenaires financiers, la région et l'État, dans le cadre d'une négociation inscrite au contrat de plan État-Région, la communauté d'agglomération Val-de-Sambre, la ville de Maubeuge et le département qui, d'ailleurs, dans sa prochaine séance du 27 septembre, votera un engagement en 2022. Donc nous proposons, avec ces deux délibérations, l'une de solliciter l'État et l'autre de solliciter l'agglomération. Et par contre, il faut apporter une petite rectification à la délibération numéro 11, puisqu'il ne convient pas de parler d'un fonds de concours, mais simplement d'un cofinancement, le fonds de concours obéissant à certaines règles et à certains plafonds. Donc il faut intégrer, supprimer la notion de fonds de concours et intégrer plutôt la notion de cofinancement. Voilà en résumé la présentation de ces deux délibérations que nous vous prions d'adopter. Très bien. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas ? Des abstentions, des votes contre ? Non plus. Ah, monsieur Pauvros, vous avez une question ? Non. Merci, monsieur le maire, mais après le vote, mon intervention. Simplement, je souhaiterais que nous ayons une pensée, vous l'avez fait en début de séance du conseil municipal, en rappelant la mémoire d'une personne disparue. Je voudrais simplement qu'on associe Charles Dumulder à ces deux délibérations. Charles de Mulder, professeur de lettres classiques au lycée Forêt, originaire de Montplaisir, a participé, je pense, nombreuses années à la vie associative mauvaugeoise, au manège, mais aussi au conservatoire en particulier. Il y a pris une place importante. Je souhaiterais simplement, au moment de sa disparition, avoir avec vous une pensée pour lui. Il était administrateur du manège. Je crois qu'il était sur Armentières, je crois, récemment, d'après ce que j'ai vu. Mais vous avez entièrement raison de le souligner, M. Pauvros. Je pense qu'il y aura un moment au théâtre du Manège en mémoire en son nom. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Nicolas. Ensuite, la délibération numéro 13 concerne le renouvellement de la dénomination de commune touristique. Comme vous le savez, Maubeuge est éligible à cette dénomination de commune touristique en raison de son patrimoine, en raison des manifestations qui s'y tiennent et parce que nous avons sur notre territoire un office du tourisme classé. Et donc, nous proposons de solliciter auprès de la préfecture le renouvellement de cette dénomination. Des questions ? Madame Ropital. Oui, merci, monsieur le maire. Il me semble qu'en 2016, quand vous avez demandé pour la première fois le label, vous y aviez intégré le camping. Là, cette fois-ci, vous n'en parlez pas. Est-ce que c'est parce que le camping, il n'a plus d'avenir ? Et est-ce que ce ne sera pas un handicap pour obtenir ce label ? Et dans ce cas, quid des versements, des versements transport au SMTUS ? Alors, non, ce n'est le camping, on n'a pas mis parce qu'on n'a pas besoin. Le camping, vous savez qu'on est en procédure avec... On avait délibéré au conseil municipal avec quelqu'un qui avait un beau projet sur le camping, il y a une liquidation. Donc nous sommes avec le liquidateur en train de récupérer évidemment les autorisations parce que évidemment nous voulons vendre le camping sur un projet que nous avons déjà donné ici. Donc on a pris un peu de retard, mais aujourd'hui le camping, ce n'est pas nécessaire de rentrer le camping dans aujourd'hui cette demande de commune touristique parce que nous avons le nombre d'hébergements suffisants pour demander le label. Mais après, viendra un hôtel, etc. Donc, ça sera encore mieux. Mais évidemment, après, le camping, vous l'avez dit à juste titre, c'est une compétence touristique. Nous, la ville de Maubeuge, nous sommes commune touristique, mais la compétence touristique, c'est l'office de tourisme, aujourd'hui, qui est communautaire, et aussi avec une vocation à devenir un outil à l'échelle de l'ensemble de la Vénois, ce qui est, à mon sens, mais je n'engage que moi-même, une très bonne décision pour vendre une destination à Vénois. D'accord ? Après... restera à l'agglomération. Si elle souhaite porter un camping ailleurs, elle pourra toujours le faire. Des abstentions, il n'y en a pas. Des ventes comptes non plus, l'unanimité. Je vous remercie, Nicolas. Ensuite, la réhabilitation de la Banque de France. Nous proposons aujourd'hui d'autoriser monsieur le maire à engager l'opération et également la recherche de subventions pour un plan de financement prévisionnel s'élevant à environ 4 millions et demi d'euros. Ce projet, il s'agit d'y accueillir un CIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui fait partie du cahier des charges du label Ville d'art et d'histoire auquel nous candidatons. Mais beaucoup plus qu'un CIAP, qui a vocation à favoriser la compréhension par la population
de notre patrimoine, de notre urbanisme. Nous voulons y implanter un véritable musée numérique sur l'histoire de la ville de Maubeuge et de son territoire. Depuis la bataille de la Sambre qui opposa Jules César aux Nerviens jusqu'à l'ère industrielle, la destruction de Maubeuge en 1940, sa reconstruction par l'URSA, en passant bien sûr par la fondation de notre cité par Saint-Aldegonde, par la figure de Jean Mabuse, par la bataille de Fleurus avec le ballon de Coutel, par la défense de Maubeuge, par le colonel Schuller, par le général Fournier, etc. Cette histoire de Maubeuge, elle est riche, mais elle est également insuffisamment connue par les habitants. Et nous pensons qu'il y a non seulement un enjeu à partager cette histoire avec la population du territoire, mais aussi, à travers ce projet, à en faire un outil de rayonnement. Alors, aujourd'hui, le projet nécessite encore que nous travaillions les contenus muséographiques. Et pour cause, puisque une partie de ces contenus ne reposera pas sur des pièces matérielles. Il s'agit en partie de travailler sur la mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des contenus muséographiques qui doivent être créés à partir du patrimoine mémoriel de Maubeuge et du territoire. Ça veut donc dire qu'il y a un travail de plusieurs années qui doit être engagé avec des universitaires, avec des chercheurs, avec des étudiants, pour nouer des contenus qui soient à la frontière scientifique, historique et en même temps avec les usages numériques, dits immersifs, on y viendra plus tard, avec Muse. Il y a aussi une opportunité, c'est que la délibération qui suivra tout à l'heure sur Muse nous amène à rénover le rez-de-chaussée de la Banque de France. Voilà toutes les raisons pour lesquelles, d'une part, le fait que le projet doit être mené sur plusieurs années, et d'autre part, l'opportunité d'y implanter dès à présent un projet culturel, nous proposons d'engager dès à présent ce projet de la Banque de France. Aujourd'hui, c'est quand même un moment important pour la Banque de France, puisque le conseil municipal de Maubeuge dit aujourd'hui ce lieu de la Banque de France a désormais une vocation culturelle. Merci Nicolas. Y a-t-il des questions ? Madame Villette. Pas d'autres questions ? Madame Villette. Merci. J'avais une question pour la réhabilitation de la Banque de France. Donc, il ne s'agit pas d'une réhabilitation globale, notamment par rapport aux appartements quid, parce qu'il s'agit d'un bâtiment très spécifique. Et également, donc, je suppose qu'on ne s'est pas encore intéressé aux accès PMR sur cette question-là, à ce stade de projet. Alors, le projet, dans sa globalité, doit occuper non seulement le rez-de-chaussée, mais aussi les logements de fonction qui sont au premier et au deuxième étage, très clairement. Donc, il s'agit bien, à terme, de rénover, de réhabiliter l'ensemble de la Banque de France, mais il faut dire que le bâtiment est quand même globalement en bon état. Par contre, la première tranche du projet à très court terme en 2022, qui concerne le projet Muse, là, ne porte que sur le rez-de-chaussée. Pas d'autres questions ? Je vais passer au vote. Des abstentions ? Il n'y en a pas. Des votes contre non plus ? Nicolas. Ensuite, avec la délibération numéro 15, nous proposons la réhabilitation de l'ensemble urbain formé par la chapelle des Sœurs Noires, les vestiges de l'ancienne caisse d'épargne et le cercle militaire. C'est un projet qui s'élève à 250 000 euros. Et donc, nous proposons d'autoriser M. le maire à engager ce projet, à solliciter la subvention de la DRAC à laquelle nous sommes éligibles. Donc, la chapelle des Sœurs Noires, monument historique. Il y a un architecte du patrimoine qui a travaillé dessus, qui propose un projet tout à fait intéressant, notamment de lui rendre son espace à l'intérieur en retravaillant les plafonds. Et d'autre part, il y a aussi autour les vestiges du vieux Maubeuge, détruit en 1940, que l'on voit toujours. Quand vous êtes sur la place verte, vous voyez, alors je pense que les Maubeugeois n'identifient pas forcément toujours très bien ce qu'il y avait à l'origine, mais en fait, on voit toujours les marches de l'escalier qui étaient devant ce qui était à l'origine la caisse d'épargne, et puis, plus proche du chapitre, la porte du cercle militaire. Et donc, avec les aménagements que nous proposons à côté de la chapelle des Sœurs Noires, il s'agit de matérialiser de manière un peu plus évidente l'emplacement des anciens bâtiments. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel nous proposons de mener cette opération. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Donc un
beau projet. Des abstentions, des votes contre non plus, donc à l'unanimité. Je vous remercie. La 16. Il s'agit de la rénovation du monument aux morts de Soulbois. Je tiens à souligner que c'est une proposition qui émane du Conseil citoyen de Soulbois. Le monument a un peu vieilli. Il a aussi perdu malheureusement certains de ses éléments. Il manque quelques éléments à la statue du poilu. Et donc, nous proposons une rénovation qui a été chiffrée à 40 000 euros, pour laquelle nous pouvons avoir une participation de la région. Voilà, c'est un beau projet pour le quartier de Soulbois. Et une belle réhabilitation. Y a-t-il des questions ? Monsieur Rombaud. Juste une remarque, évidemment. Je ne peux que souscrire, évidemment, à cette délibération, puisqu'elle vise à entretenir notre patrimoine mémoriel. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'au titre du souvenir français, j'ai envoyé à M. le maire, il y a à peu près 3 ans, un rapport complet sur l'état très dégradé du patrimoine mémorial au cimetière du centre. Et ça serait bien aussi d'y regarder. Nous en prenons note. Des abstentions ? Il n'y en a pas. Des votes contre ? Non plus. Je vous remercie. Nicolas. Ensuite, les travaux de restauration des remparts. Comme chacun sait, des travaux dans les remparts, il y en a chaque année. En particulier en partenariat avec l'association Renaissance Vauban qui régulièrement sollicite et à laquelle nous attribuons des subventions pour mener ici ou là des travaux importants dans les remparts. Et nous devons en particulier à Renaissance Vauban la qualité de notre entrée de ville, de cette zone des remparts qui est autour de la porte de Mons. Mais étant donné l'étendue des travaux à mener, c'est un véritable plan pluriannuel pour les remparts, véritablement de sauvetage des remparts de Vauban, qu'il faut mener à l'échelle de l'ensemble de ce patrimoine auquel les Maubeugeois sont attachés et qui sont aussi un symbole de notre ville. Il y a 2 études qui ont été faites par l'architecte du patrimoine François Bissement, l'une qui a été rendue en juillet, l'autre qui doit arriver très prochainement. La première porte sur le bastion 6, c'est-à-dire le bastion qui est entre le zoo et le collège Coutel. La 2e étude porte sur la zone du vivier de la rue Vauban. Aujourd'hui, nous proposons, sur la base de la 1re étude rendue par l'architecte François Bissement, d'autoriser M. le maire à engager les travaux et à chercher les financements pour réaliser cette rénovation du bastion 6. C'est un engagement important. Rien que sur ce bastion, il y en a pour 5 millions d'euros, nous espérons avoir de l'État une écoute particulière, puisque dans le pacte San Bravano-Tirache, il y a des crédits qui sont fléchés pour la rénovation du patrimoine, et je pense que le sauvetage des remparts de moment entre parfaitement dans cette case du pacte San Bravano-Tirache. La 2e étude que nous attendons, c'est la rue Vauban et puis tout ce qu'on appelle le vivier, mais la chambre noire, voilà. Donc ça c'est la 2e étude. Évidemment, vous avez bien compris que on essaiera de faire la rue Vauban le plus rapidement possible parce que ça bouche une artère, mais évidemment on y reviendra dans un futur conseil municipal. Mais en tout cas, ce qui est dans cette délibération, c'est de lancer en priorité via la rue Coutel la rénovation de ce bastion, dont la date a été fixée, la date de réhabilitation avec l'architecte du patrimoine, 1870, parce qu'il y a des évolutions après, pour pouvoir entamer ça. Et Nicolas l'a dit à juste titre, dans le pacte territorial San Bravano-Tirache, version 2, il y a aussi des crédits, évidemment, pour la rénovation du patrimoine. Et évidemment, nous allons solliciter évidemment la DRAC. D'ailleurs, la restauration des remparts est inscrite dans ce pacte. Des questions ? Non, Madame Villette, pas d'autres questions ? Allez-y. Merci. Une question concrète, quand peut-on espérer la réouverture de la rue Coutel, qui est quand même fermée depuis 2014 ? La rue Vauban fermée, qui prend le même chemin que la rue Coutel. Donc on s'interroge un peu sur le déroulé exact de la réouverture de ces 2 rues. Là, ce soir, vous avez du concret. Là, l'étude est terminée. Elle a pris. Oui, mais attendez, c'est un peu facile là.
D'abord, l'étude a été commandée. L'architecte a eu quelques ennuis de santé, etc. Ça s'est un petit peu décalé, malheureusement. Vous avez la pandémie. Bon, ça s'est réalisé. Je crois qu'on a perdu un an et demi par rapport à notre programme. Après seulement, une fois là, on a l'étude et financement. On va lancer, évidemment, l'ensemble des opérations et les marchés concernant ça. Vous êtes en commission d'appel d'offres, vous verrez les marchés. Vous aurez beaucoup plus de précisions à cette date. Mais en tout cas, on est sur un aspect et je ne peux pas vous donner de date. Mais vous le savez. Aujourd'hui, on va demander les subventions, etc. On va lancer les travaux, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et ça ne se fait pas. Vous avez compris que je ne peux pas faire que la rue Coutel simplement. C'est à l'ensemble du bastion qui était nécessaire de rénover dans une vue globale. C'est ce qu'on s'était engagé dans notre campagne municipale. Relisez les documents en disant que c'est sur un plan pluriannuel de rénovation des remparts. C'est ce que nous faisons. Et c'est déjà des grosses sommes pour la réhabilitation. Qui s'abstient ? Personne qui vote contre, personne. Je pense que Nicolas, tu as encore une délibération. Donc cette délibération concerne l'installation du projet MUSE à Maubeuge. Alors, je ne sais pas s'il y a un diaporama spécifique ou pas, mais oui. Peut-être qu'on peut le dérouler. Non, je pense qu'il y a que ça. Non, c'est pas grave, je vais accaper là. Alors. Donc le projet MUSE, il s'agit d'un projet mené avec la réunion des musées nationaux Grand Palais, établissement culturel national bien connu, qui, en partenariat avec la Banque des Territoires, propose des modules à des communes. Et pour l'instant, il n'y a que deux ou trois communes qui sont partenaires de ce projet. Hein, donc nous sommes partis des sites pilotes du projet, avec deux dispositifs. Un, d'abord, un parcours permanent d'initiation à l'histoire de l'art qui prendra place à la salle Ostro, au premier étage de la salle Ostro. Et d'autre part, un dispositif immersif qui permettra, qui lui sera accueilli au rez-de-chaussée de la Banque de France et qui permettra à Maubeuge, une fois tous les 6 mois, d'accueillir une exposition du Grand Palais. Peut-être avez-vous entendu parler de l'exposition du Grand Palais sur Pompéi, qui a une grande popularité. C'est ce type d'exposition qui recourt à des techniques immersives, c'est-à-dire que vous entrez dans l'espace du musée et puis vous vous retrouvez dans un univers, ici dans ce que j'évoque, l'univers de Pompéi. Et la première exposition que nous prévoyons d'accueillir avec MUSE, donc au rez-de-chaussée de la Banque de France, c'est une exposition sur la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Donc c'est une opportunité que nous avons d'accueillir ce projet MUSE à Maubeuge, avec un plan de financement qui est raisonnable, je trouve, avec un cofinancement de la Banque des Territoires à hauteur de 100 000 euros pour un projet qui s'élève à hauteur de 380 000 euros. Nous solliciterons la région et le département. Alors certes, il faudra ajouter à ce chiffre la part des travaux d'aménagement de la Banque de France qui vont concerner le rez-de-chaussée, mais je pense que c'est vraiment une opportunité pour Maubeuge et que ça permettra à la fois d'avoir un rayonnement autour de ce projet et puis aussi une utilisation pédagogique auprès des scolaires. Des questions ? Il n'y en a pas ? Un beau projet. Des abstentions, des votes contre, non plus, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Je cède la parole à Madame Moriamé. Merci, Monsieur le Maire. Donc, il s'agit de l'augmentation de la capacité d'accueil maternelle de l'ALSH permanent du site Blanche-Neige-Lamartine. Donc, elle fonctionne chaque mercredi en période scolaire et toutes les vacances scolaires de 8h30 à 17h. Considérant l'augmentation du taux de fréquentation de cet accueil de loisirs, il est souhaitable d'augmenter l'effectif maternel de 10 places. On passerait donc de 30 places à 40 places pour les 3-5 ans et on resterait pour les 6-11 ans à 40 places. Par ces motifs, il est donc demandé au conseil municipal d'acter cette demande. Des questions ? Il n'y en a pas. Monsieur Dekeper. Oui, merci. Il est indiqué dans la délibération qu'il y a une augmentation de 10 places.
Je crois avoir compris que c'est pour accueillir des enfants qui viennent du Pont-Alent. Donc, il serait intéressant de savoir quel est le nombre d'enfants qui proviennent de ce quartier vers Blanche-Neige. Alors, il ne s'agit pas de 10 enfants du Pont-Alent, pas du tout. C'est des enfants de 3 à 5 ans, de Maubeuge, complètement. Mais oui, je pourrais vous donner la capacité, enfin le nombre d'enfants du Pont-Alent qui viennent à Blanche-Neige. Avec l'accord des parents, je peux vous confirmer que ça fonctionne très très bien. Des abstentions ? Des votes contre ? Non plus. Je vous remercie donc à l'unanimité. Je cède la parole à Dominique Delcroix sur la rue de l'Avenir. Prends ton micro. Concerne l'adhésion effectivement à l'association Rue de l'Avenir. Cette association existe depuis 1988. Elle a pour objectif de rendre les villes plus urbaines, c'est-à-dire moins routières, plus sûres, plus solidaires et plus agréables à vivre pour toutes et tous, grâce à la réduction de la vitesse des véhicules, au développement des déplacements actifs, notamment la marche, à la prise en compte de tous les usagers de la rue, notamment les plus vulnérables, et grâce à l'augmentation de la qualité de l'espace public. L'adhésion pour la ville de Maubeuge s'élèverait à 150 euros. Il vous est donc demandé, chers collègues, d'autoriser l'adhésion de la ville à Rue de l'Avenir, d'acquitter la cotisation, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à siéger dans les instances, dans les différentes instances de l'association et de signer les actes liés à cette délibération. Des questions ? Il n'y en a pas ? Des abstentions, des votes contre, non plus. Je vous remercie. La 21. Donc cette délibération concerne une convention pour un accompagnement à l'économie d'énergie et aux éco-gestes des personnes qui bénéficient du nouveau compteur Linky. Enedis est un acteur majeur de la distribution d'électricité en France. Dans le cadre de la modernisation des compteurs, il installe actuellement les nouveaux compteurs Linky qui permettent à chacun de mieux maîtriser sa consommation avec un accès simplifié à ses données de consommation. Dans le cadre du développement durable, de la transition écologique et de la lutte contre la précarité énergétique, et afin d'agir sur les usages, la ville de Maubeuge souhaite s'associer au CCAS et à Enedis dans le cadre d'une mission de médiation autour des enjeux de la transition durable et des éco-gestes par des actions à visée pédagogique à destination des habitants. Le projet d'action s'articule autour de 4 opérations. Le repérage du public, l'animation collective et l'accompagnement de Maubeugeois afin d'être sensibilisés à la compréhension du compteur Linky, à l'ouverture de l'espace personnel Enedis et à l'utilisation de l'application Enedis à mes côtés, voilà, pour la maîtrise de leur consommation d'énergie. Troisième point, l'animation d'un atelier éco-geste à destination des enfants. Et enfin, quatrième point, des visites à domicile pour les habitants souhaitant un suivi individualisé de maîtrise de l'espace concernant Enedis, à l'espace personnel Enedis et l'application Enedis à mes côtés. Donc Enedis s'engage à organiser des formations à destination d'agents municipaux afin que ces derniers puissent à terme animer eux-mêmes les ateliers. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville, le CCAS et Enedis et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et les actes si rapportant. Merci Dominique. Vous en dire un petit peu plus. Donc Enedis a fait une étude sur l'ensemble des consommations des ménages de la ville de Maubeuge. Évidemment, ce n'est pas nominatif. Nous n'avons que par quartier. Et c'est là qu'on voit qu'un certain nombre de logements, évidemment, il y a des consommations qui sont extrêmement fortes. Donc c'est la raison pour laquelle il nous faut avoir cette convention pour pouvoir évidemment former des personnes pour pouvoir, dans les quartiers où il y a le plus de consommation, évidemment, essayer
d'intervenir auprès des habitants pour essayer de les conseiller par rapport aux éco-gestes, évidemment, dans le but de faire baisser, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, faire baisser la facture d'électricité. Et qui, parce qu'en plus, je pense qu'ils sont éligibles à d'autres dispositifs qui permettraient de le faire en termes de. Par rapport à quelques travaux dans leurs habitats qui permettraient de mieux isoler l'habitation. Donc c'est une très belle convention, d'ailleurs, qui a été reprise la semaine dernière, a été présentée, une des rares conventions qui a été négociée avec les villes, qui a été présentée à l'ANCT, d'ailleurs, à Paris, là, quand le président de la République est venu prononcer son discours devant les maires des projets Cœur de Ville. Y a-t-il des questions ? Madame Villette. Oui, j'ai une petite question pour Monsieur Delcroix, qui apparaît comme l'homme vert du conseil municipal, très écolo. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire de soutenir justement une politique de formation compteur Linky, alors que globalement... par exemple, un média comme Reporter, un média vraiment pour l'écologie, qualifie ces compteurs Linky de pas très écolo. Alors, Madame Villette, c'est moi qui fais les réponses, oui, d'accord mais mais je vous le dis. Donc, c'est moi qui ferai la réponse. D'abord, l'engagement de la ville de Maubeuge est à la fois sur les projets culturels, on l'a encore démontré ce soir, mais il y a aussi un gros engagement vis-à-vis de la transition écologique. D'accord ? Maintenant, chacun, dans la sphère des écologistes, en fonction des dossiers, a des positions plus ou moins d'accord ou pas d'accord en fonction des projets. Moi, j'ai même remarqué que sur des listes, on va dire plurielles, aux dernières élections régionales, il y avait des gens qui s'opposaient sur la liste régionale sur des projets, alors que ici, au niveau local, ils étaient plutôt pour. Vous voyez ? La cohérence, elle est, et la cohérence peut-être partout. Bon. En tout cas, sur ce qui nous concerne aujourd'hui, sur les compteurs Linky, ce n'est pas la ville de Maubeuge qui a demandé à mettre des compteurs Linky partout. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. L'opérateur d'électricité. Maintenant, nous avons un outil qui nous permet d'accompagner notamment les personnes les plus fragiles dans la surconsommation électrique par rapport à leur logement. Encore une fois, nous n'avons pas les noms, donc nous respectons le RGPD pour la nomination des gens, mais nous avons des secteurs sur lesquels il y a une consommation anormale. Et nous allons les accompagner pour baisser cette consommation. Et ça, c'est super écologique. Parce que là, c'est le non-gaspillage, c'est limiter la facture. Et nous disons tout le temps, mais l'écologie n'est pas toujours payée pour avoir le droit de polluer, mais ça doit être du gagnant-gagnant. Le réseau de chaleur est aussi un bon exemple. C'est du gagnant-gagnant pour les uns ou pour les autres. Et cette opération Linky est là. Alors après, sur les considérations écologiques des uns et des autres, je pense que dans 2-3 ans, ça changera encore. L'important, ce n'est pas ce que nous pouvons peut-être, ci et là, porter comme réflexion. L'important, c'est ce qui se vérifiera sur le terrain et les actions que nous portons. Voilà, Dominique, ce que je voulais vous répondre, Madame Villette. Mais c'est moi qui distribue la parole, si vous le permettez. Je vous propose de voter cette délibération. Qui s'abstient ? Personne. Qui vote contre ? Personne. Donc à l'unanimité. Comme quoi, nous sommes tous écolos ce soir. Après, Dominique. Alors, délibération 22. Donc, concerne la constitution conventionnelle d'une servitude au profit de GRDF afin d'installation d'un poste de soutirage de protection cathodique dans la parcelle communale reprise au cadastre, section ACA numéro 684, au lieu dit Le Saint-Suaire, le chemin des Écus. GRDF utilise la protection cathodique pour préserver ses canalisations de la corrosion. Ce système nécessite l'installation d'un poste de soutirage et l'enfouissement des équipements de raccordement dans la parcelle communale cadastrée, section ACA numéro 684, sur le chemin des Écus. La constitution de la servitude a pour objet de consentir un droit réel immobilier permettant le passage de canalisations de gaz et tout accessoire, ainsi que leur entretien, voire leur remplacement, avec tout droit et pouvoir au service de cette finalité sur la parcelle concernée. La présente servitude, contribuant à un service pour le public et à l'intérêt général relativement à la distribution du gaz,
aucune indemnité par mètre d'emprunt ne sera réclamée. Les frais, droits et honoraires seront supportés par GRDF. Il est donc proposé, chers collègues, d'autoriser la signature de la convention de servitude avec la société GRDF et l'acte notarié s'y rapportant. Des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Non plus, donc à l'unanimité. Merci Dominique. Et délibération. La délibération 23. Oui. Donc concerne la signature cadre du 1er juillet au 31 décembre 2021 entre l'agglomération et la commune de Maubeuge relative aux demandes de fonds de concours dans le cadre des travaux de voirie réalisés en régie par l'agglomération. Dans le cadre du dispositif de participation des communes par voie de fonds de concours aux travaux de voirie, suivi en régie sur les voiries d'intérêt communautaire, une convention cadre a été signée pour le premier semestre 2021. Le Conseil communautaire a délibéré le 30 juin 2021 sur la signature d'une convention cadre valable pour le deuxième semestre, à savoir du 1er juillet au 31 décembre 2021. Celle-ci définit les modalités administratives et financières et prévoit les travaux retenus par l'agglomération dans le cadre de ce dispositif. La participation financière des communes s'élève à 50% de la part à charge nette supportée par l'agglomération, calculée à partir du coût global de l'opération, toute taxe comprise, déduction faite des financements perçus et du fonds de compensation de la TVA. Il convient donc d'approuver les modalités de participation de la commune de Maubeuge. Merci Dominique. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre ? Non plus. Donc à l'unanimité, je vous remercie. Je cède la parole à Samia Serrani. Merci Monsieur le maire. Si vous le permettez, je vais passer la parole donc à ma collègue Caroline Leroy. Alors Caroline. Merci Monsieur le maire. Merci Madame Serrani. Alors, il s'agit là de la signature d'une convention de partenariat entre l'association GRED, groupe Écoute Information Dépendance, et la ville de Maubeuge. Le CARUD, Centre d'aide et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, est missionné par l'ARS sur le territoire de Sambre-Avesnois depuis 2017. L'équipe mobile du CARUD fait partie de l'association GRED. Son but est d'aller à la rencontre des consommateurs de produits psychoactifs par le biais de maraudes, de visites à domicile, d'interventions dans les accueils de jour, les foyers, etc. Il met à disposition du matériel de consommation à moindre risque et donne des informations liées à ces pratiques afin de contribuer à réduire les risques infectieux dans le cadre de lutte contre le VIH et les hépatites. Des containers adaptés au ramassage du matériel médical soulié peuvent être mis à disposition et récupérés. L'équipe du CARUD est composée d'éducateurs et d'une infirmière. Ils accompagnent les personnes dans un cadre socio-éducatif et s'appuient sur le réseau local en fonction des besoins et demandes des usagers. Ouverture de droits, accès au logement et autres besoins primaires, projets de soins, insertion socio-professionnelle. L'objectif est de rencontrer des personnes concernées, de les accompagner et d'inciter les usagers, laissant derrière eux des déchets infectieux présentant un risque pour les habitants, à un comportement citoyen plus responsable. Structure de première ligne dans le champ des addictions, le CARUD Tarmac est complémentaire du SASPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, étape implantée depuis des années sur le secteur. La municipalité est très sensible aux problématiques liées à la consommation de psychotropes et aux addictions. Des actions sur cette thématique sont régulièrement organisées. Travail sur leur consommation de protoxyde, porté par le service jeunesse, mené dans le cadre d'un appel à projet. Création d'un support ludique de communication à direction des jeunes. Voici les pistes de collaboration possibles. Sur la communication, possibilité de faire un focus de la structure sur le Facebook de la ville et sur le Maubeuge Mag. Travail sur un support vidéo en collaboration avec les médiateurs.
sur le quartier de Soulbois, sensibilisation via l'organisation de temps de rencontres avec les habitants du quartier, les familles, pour promouvoir les actions. La possibilité de mettre en place une permanence dans le respect de la confidentialité en toute discrétion. Une collaboration aussi avec les équipes des médiateurs. Maraude dans les quartiers de 17h à 22h, les mardis et les jeudis. Possibilité d'être introduit dans les quartiers lors de ces maraudes par les médiateurs qui ont une connaissance fine des habitants et de leurs usages. Inscription du CARU de Tarmac sur les réseaux des médiateurs. Possibilité de co-construire un support de communication vidéo pour présenter l'activité du CARUD. Rencontre et sensibilisation de l'ensemble des médiateurs. Avec le service jeunesse, intervention lors de la formation des animateurs de BAFO pour sensibiliser les futurs animateurs à la problématique. Des actions ponctuelles grand public, possibilité d'intégrer différentes manifestations publiques, notamment dans les quartiers, afin d'être identifié, intégré à la vie citoyenne locale et de sensibiliser les habitants. Et enfin, collaboration avec le service propreté et sensibilisation du personnel exposé aux accidents d'exposition au sang. Le suivi et la collaboration avec la mairie se fera par le biais de 2-3 rencontres par an pour évaluer l'activité et affiner les objectifs par la suite. Considérant que le GRED contribue par la mise en œuvre d'interventions sur les différents quartiers de la ville, pour accompagner les personnes majeures consommatrices de substances psychoactives et réduire les risques infectieux, considérant que la commune est fortement engagée pour cette cause majeure en positionnant les équipes de médiateurs sur une présence régulière dans les différents quartiers et en accompagnant les jeunes dans leurs projets de formation, d'emploi et d'insertion. Considérant que l'objectif de ces actions sont de limiter les consommations de substances psychoactives, de donner un accès au matériel de consommation, de donner un accès aux TROD, qui sont des tests rapides VIH et VHC, d'orienter et d'accompagner vers des dispositifs de droit commun les structures de soins en s'appuyant sur le réseau du territoire. Que par conséquent, la commune souhaite pleinement se saisir des problématiques liées à la consommation de substances psychoactives dans les quartiers de la ville en proposant des accompagnements individualisés par le biais de maraudes auprès des personnes consommatrices et en portant des actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels locaux, notamment les services municipaux, les associations de quartier, tous les partenaires ayant une mission d'insertion professionnelle et sociale. Considérant que l'ensemble des droits et obligations entre les parties sont formalisés dans une convention intitulée « Convention de partenariat entre le GRED et la ville de Maubeuge », par ces motifs, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son délégataire à signer la convention de partenariat entre le GRED et la ville de Maubeuge, ainsi que tous les documents nécessaires afférents. Merci. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Donc c'est une délibération importante, évidemment, ce partenariat avec l'association du groupe d'écoute d'information dépendance et la ville de Maubeuge. Des abstentions non plus, des votes contre non plus, à l'unanimité. Je vous remercie et nous passons la parole à Monsieur Reffas pour les conseils de quartier et de règlement. Merci Monsieur le maire. Il s'agit de la modification de l'article 3, composition alinéa, collège des élus, du règlement des conseils de quartier. Tout d'abord, je tenais à souligner l'implantation des conseils de quartier et aussi au déroulement des conseils citoyens. Donc on sent une réelle dynamique qui, je pense, qui va porter ses fruits dans quelques mois. Suite à la transformation des conseils citoyens des quartiers non prioritaires de la commune en conseils de quartier et du règlement de ces instances, et qu'il appartient au conseil municipal de fixer la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement des conseils de quartier, il convient de modifier l'article 3 du règlement et d'adopter la proposition de modification de l'article du règlement des conseils de quartier, précité ci-dessous et joint à la présente délibération. Le collège des élus, sa composition. Par principe, les conseillers municipaux, hormis ceux désignés par M. le maire, ne pourront être conseillers de quartier. Ce collège est composé de 3 élus maximum, en se rapprochant le plus possible de la parité femmes-hommes.
un élu adjoint-adjointe municipal de la majorité désigné par monsieur le maire, nommé président-présidente et co-animateur-co-animatrice du conseil de quartier. Deux élus conseillers-conseillères municipales de la majorité. Néanmoins, pourra participer à une réunion de travail de conseil de son quartier, sous réserve d'y avoir été invité à la majorité des trois quarts des membres du dit conseil, la personne remplissant les deux conditions cumulatives suivantes. Être conseiller municipal et résider dans le quartier. Pour ce faire, le requérant devra formuler sa demande de participation à ladite réunion par écrit au président ou la présidente du dit conseil, lequel ou laquelle pourra procéder au vote, exposé selon les modalités ci-dessous, et informera le requérant de son admission ou non par écrit. Son rôle, organiser et animer cette instance selon un ordre du jour, présenter les projets de la ville dans le quartier, échanger et récolter des attentes et des demandes des habitants, informer la municipalité sur la vie du quartier et des habitants. Pour ces motifs, il est proposé au conseil municipal de modifier et d'adopter ce nouveau règlement des conseils de quartier. Merci. Merci Naguib Refas. Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'ai reçu, Monsieur De Keyper, une demande d'amendement. Simplement, je vous invite à lire le règlement intérieur. Toute demande d'amendement devait être donnée un jour à l'avance au maire. Règlement intérieur, on l'a voté ensemble. Donc aujourd'hui, votre amendement est renvoyé à une prochaine commission. Mais je vous cède la parole. Oui, monsieur le maire, je voudrais simplement rappeler que le règlement intérieur ne fait pas loi. Il y a une hiérarchie dans les textes. Ah si, monsieur. Ah monsieur, cette assemblée est gérée par règlement intérieur. Alors la loi, c'est une chose. Nous votons un règlement intérieur. Et je fais respecter juste l'étude de votre amendement dans le règlement intérieur. Donc je fais voter ce qui a été accepté en commission, débattu, je pense à l'unanimité, par cette assemblée. Donc c'est ça. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser la main pour pouvoir intervenir sur la délibération. Ne vous inquiétez pas, monsieur De Keyper. Donc, après l'amendement, vous voulez faire un amendement, il n'y a pas de problème. Le règlement intérieur que nous avons voté permet, évidemment, donc je fais appliquer le règlement intérieur. Normalement, c'est comme les questions écrites, vous avez un temps pour les proposer. Les amendements, c'est aussi un temps pour les proposer. Vous êtes forclos sur cet amendement. Par contre, si vous voulez donner votre opinion sur cette délibération, il n'y a pas de problème, je vous cède la parole. Alors je reviens sur l'amendement. Quand je disais qu'un règlement ne fait pas loi, je voulais vous faire comprendre, mais vous m'avez coupé la parole, qu'il y a une hiérarchie dans les textes en droit. Il y a une jurisprudence qui est en annexe 2 de l'amendement que tous nos collègues ont devant les yeux, qui prévoit qu'un amendement peut être d'une part proposé en début de séance du conseil municipal. Et par ailleurs, vous ne pouvez pas mettre au vote une délibération sans que cet amendement ait été pris en compte. Oui, mais monsieur De Keyper, il faut comprendre, il faut juste comprendre que sur un élément technique comme ça, je dois au moins avoir le temps nécessaire par les juristes de la ville de Maubeuge pour donner un avis juridique sur l'amendement qui va être voté, pour que votre amendement, s'il est proposé, ne soit pas contraire à la loi. Juste cette vérification-là. D'accord ? Là, vous me donnez un texte, on n'a pas vérifié. Je ne peux pas faire voter quelque chose qui n'a pas été vérifié juridiquement par les juristes. C'est juste pour ça qu'on demande une journée. Ce qui n'est pas énorme, une journée, juste avant. Donc, votre amendement sera étudié à la prochaine commission. Et vous pouvez, si vous voulez, saisir le maire sur une question ou quelque chose comme ça. Ou il y aura peut-être, au cours de la commission, une nouvelle disposition une nouvelle délibération. Voilà ce que je vais vous dire. Maintenant, ça ne vous empêche pas de donner votre opinion sur cette délibération. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, alors, l'amendement est constitutif du vote de la délibération. Soit il est examiné, soit vous renvoyez la délibération et non pas l'amendement à une prochaine séance. Un amendement ne peut pas faire l'objet d'un examen par une commission. C'est la loi qui le prévoit, et plus précisément la jurisprudence. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous avez en annexe 2, vous pouvez le lire, un document, c'est un arrêt
de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui consacre ce que je viens de vous indiquer. Alors, monsieur De Keyper, je vais vous répondre sur l'amendement. Allez au fond de votre opinion. D'accord ? Dites ce que vous pensez de cette délibération et exprimez-vous. Mais sans aucun problème, nous allons nous exprimer, mais la légalité de votre délibération... Eh bien, vous l'attaquerez. Absolument. Ben, vous l'attaquerez. Comme ça, on empêchera au conseil municipal, les conseils municipaux, de pouvoir se faire inviter à la demande des conseillers de quartier, conseillers de quartier, à la truc. C'est votre choix, mais vous pouvez attaquer là. Pas de problème. Non, mais vous dites... J'ai pas de problème avec ça. Allez-y, dites ce que vous pensez et ce que vous souhaiteriez, alors. Non, mais vous digressez, là. Vous êtes... Je suis rien du tout. Non, je vous parle de la délibération. Allez au fond de cette délibération, s'il vous plaît. Moi, je vous répète une dernière fois que cette délibération ne peut pas être examinée, ne peut pas être votée. Alors, si vous ne faites pas voter avant l'amendement que nous avons proposé. Encore une fois, vous n'avez qu'une possibilité. Monsieur De Keyper, je vais être très simple. Je ne vais pas analyser votre amendement. Je le renvoie à la prochaine commission application du règlement intérieur. Je vous invite à le lire. Une commission. C'est comme ça. J'ai la police de cette assemblée. J'ai un règlement intérieur qui a été voté à l'unanimité de cette assemblée. Je l'applique. Et on peut s'appeler qui on veut. C'est comme ça. D'accord ? Et nous appliquons ce qui a été communément accepté par tout le monde. Comme les questions. Ça veut dire que vous pouvez arriver demain matin en conseil municipal avec une question en conseil municipal sans avoir le délai minimum pour pouvoir la présenter. Vous respectez dans le cadre du règlement intérieur les dispositifs. Et des fois, de façon générale, on est très cool parce que des fois, ça arrive vraiment à la limite de la forclusion et on l'étudie. Là, je vous répète sur votre amendement, vous êtes forclos, j'applique le règlement intérieur, il ne sera pas étudié. Par contre, je ne vous empêche pas de pouvoir vous exprimer sur le fond de cette délibération. Allez-y. Que voulez-vous que je réponde, monsieur le maire ? Comme il vous plaira. Merci. Madame Villette. Merci, monsieur le maire. Je reviens sur le travail qu'on a établi en commission. Ce dossier est passé en commission le 6 septembre, en l'absence de l'adjoint qui devait présenter le dossier. Donc on a malheureusement pas, il n'a pas été possible d'obtenir des réponses à nos questions puisque le sujet n'était pas connu ou maîtrisé suffisamment par le reste de la commission. C'est un jugement de valeur, Madame Villette. Ah, écoutez, mais bon, c'est votre analyse. Demandez à la présidente, elle m'a dit je ferai rapport à la personne en question. Donc allez-y, allez-y. À côté de vous. Je vous ai coupé, excusez-moi. Je pense qu'elle peut confirmer mes dires. Concernant donc mes questions, c'était pourquoi revenir sur ce texte en fait, puisqu'il a déjà été, ce règlement a été évoqué je crois en décembre. Quel est le contexte de cette nouvelle délibération ? Pourquoi ? Je vois que le Conseil des élus est modifié dans sa composition et dans son fonctionnement. Lors du Conseil municipal, je vous avais déjà fait part de la discrimination établie entre élus de la majorité et de l'opposition, lors donc de la version initiale. À l'époque, vous m'avez répondu « Par contre, j'attire votre attention sur le texte, c'est-à-dire que le conseil de quartier sera animé par des gens de la majorité parce qu'ils sont au cœur des décisions. Par contre, le texte indique que les membres du conseil municipal pourront être présents dans les conseils de quartier, voix consultative peut-être, mais pourront être présents dans les conseils de quartier. Et je vous invite à postuler sur ces sujets-là et j'espère avoir votre soutien pour le quartier sur lequel vous pensez le plus proche. D'accord ? Donc, je ne retire pas les candidatures de l'opposition et je pense que c'est même souhaitable que des gens de l'opposition soient présents dans les quartiers. Et d'ailleurs, je pense que c'est souhaitable. Ça, c'était versus décembre 2020. Vous représentez ce soir un texte, en fait, qui est différent du précédent, mais qui est surtout pire. Ce texte nie la représentativité à la proportionnelle. Les conseillers municipaux non désignés par vous-même ne peuvent pas être conseillers de quartier. Et nous pouvons participer aux réunions sous réserve d'y avoir été invités à la majorité des deux tiers du dit conseil.
À mon sens, quand on reprend la loi qui est à l'initiative de la démocratie de proximité, celle du 27 février 2002, on peut se poser la question de son respect, en tout cas dans l'esprit, puisque le ministre de l'époque, interrogé sur cette question, vient nous répondre, nous indique, dans le souci de respect de la pluralité des expériences, la présence des conseillers municipaux, membres des conseils de quartier et élus, à la proportionnelle. Tout ça pour vous démontrer que dans la loi, à l'origine, les choses étaient claires. On voulait une représentation et une représentativité de l'opposition. Pour continuer, votre délibération de ce soir, elle ne m'apparaît pas dans ce mode de fonctionnement, en tout cas mise en place et confirmée, comme un outil favorisant la démocratie de proximité et participative. En fait, c'est simplement un alibi démocratique. Un alibi démocratique et rien d'autre. C'est l'illustration même que vous ne souhaitez pas du tout une opposition présente et constructive, contrairement à ce que vous nous avez indiqué en décembre. Concrètement, si vous pouvez comment... la synthèse, s'il vous plaît. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas la seule à être longue ici. Concrètement, comment s'il va se dérouler notre invitation ou notre exclusion? Sur quel fondement? Où se trouve le règlement avec les modalités pratiques, les délais, la procédure? Quid de tout ça? Il me semble que votre projet de ce soir, il apparaît vraiment comme un flop démocratique et surtout un flop administratif. Une défiance envers votre opposition. Naguib. Merci, monsieur le maire. Donc, la réponse est dans votre question. Hein. Simplement, pour revenir en 2002, je vous rappelle que vous étiez aux manettes avec monsieur Pauvros, c'était la même chose qui a été votée par l'ensemble du conseil municipal. Donc, moi qui étais conseiller de quartier, monsieur Pauvros peut en témoigner, c'était la même chose. Hein, on n'a rien changé. Hein. Voilà. Alors, je suis d'accord avec monsieur. Alors, j'y viens. On est revenu à des conseils de quartier, c'était des conseils citoyens, c'était la loi, on a essayé de le faire, c'était trop rigide, etc. Bon. Moi, je reviens, je me souviens d'un. Écoutez, moi, je me souviens d'une période où les conseillers de quartier, c'était la majorité de 2001 à 2014 qui était face au conseil de quartier et c'était les élus de la majorité. Bon. Parce que c'est vrai qu'ils sont au cœur du dossier et c'était comme ça. Donc, c'était la même délibération que nous avons votée. Par cette délibération, nous permettons juste à tous les conseillers d'opposition, s'ils le souhaitent, à pouvoir, sous invitation du conseil de quartier, à être représentés dans cette instance. Donc nous permettons aux uns et aux autres de venir. Moi, j'ai laissé la commission travailler, elle a travaillé, les propositions sont faites, et puis voilà la proposition qui est revenue pour aller un peu dans le sens de M. de Keyper, qui voulait de temps en temps aller au conseil de quartier. Soit on est élu municipal, donc c'est la démocratie représentative, ou c'est la démocratie participative, c'est ce qu'on appelle les conseils de quartier. Et évidemment, il faut un jeu entre la majorité, qui est évidemment en fonction et en situation d'exécution, et puis les conseillers de quartier, et bien une animation, et les conseillers de quartier. Voilà ce que nous voulons faire. D'accord ? Voilà ce que permet cette délibération. C'est tout. Maintenant, si vous vous opposez à cette délibération, vous pouvez le faire. Nous aussi, on peut le faire. Ça veut dire que vous serez totalement absent des conseils de quartier. Donc, ça va être contre votre sens, de votre intention. Voilà. Et nous ne voulons pas non plus que les conseils de quartier soient des conseillers municipaux bis par quartier. C'est ce qu'on veut éviter. Et encore une fois, nous venons alléger une disposition qui date de 2002-2014. Voilà. C'était le fonctionnement des conseils de quartier. D'ailleurs, M. Rombaud l'avait fortement dénoncé à son époque. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, allez-y, Mme Villette. Je voulais rajouter simplement que si la minorité de l'époque n'a pas fait son travail et n'a pas réagi... Oh, alors là, non, s'il vous plaît, madame. Moi, je me souviens d'un Jean-Claude... Vous savez, je suis beaucoup plus cool. Je me souviens, pour avoir siégé en face et être présent, on était beaucoup plus rude avec l'opposition que je ne le suis aujourd'hui. Et je suis bien plus démocrate que je l'étais à votre époque, monsieur Pauvros. Je vous le dis dans les yeux, en plus. Et je pense que la presse peut vraiment en témoigner. Donc je suis bien plus cool. Maintenant, moi, vous savez ce qu'on va faire? On va voter contre cette délibération. Comme ça, vous ne pourrez pas aller en conseil de quartier. C'est bien dommage. Voilà ce que je vous propose. Et je trouve ça bien dommage parce que c'est permettre
à des membres qui sont du quartier à être invités par les membres du conseil de quartier. Ce que vous allez faire, c'est contre ce que vous souhaitez. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Bon. N'allons pas jusque-là, nous allons la voter, rassurez-vous, parce que nous voulons que, à la demande des conseils de quartier, laisser cette possibilité qui puisse vous inviter à pouvoir vous exprimer sur le quartier. Je vais soumettre au vote. Qui vote contre? Oui, je comprends. Vous prenez pas, qui vote contre? Donc, M. Rambaud, vous ne prenez pas part au vote avec M. De Keyper. Et puis, après, Mme Michaud, vous votez contre? D'accord. Vous votez contre? Bon, ben, alors, qui s'abstient? Personne. Donc, cette délibération passe. Et enfin, des conseils de quartier, voire ceux de l'opposition, pourraient être invités au conseil de quartier dans notre grande bonté. Mais, faut... Enfin, bon souhait. Allez, délibération suivante. Madame Gras. Merci, Monsieur le maire. Création, installation et financement du... Attends, ça me... eh, c'est bon. Pardon, il faut qu'on donne du son à Mme Gras. Création, installation et financement du campus connecté. Nous irons étudier sur la Lune suite à la labellisation de la commune de Maubeuge. Les campus connectés sont des lieux d'études permettant de suivre à distance, à raison de 12 heures à minima, des études et formations de l'enseignement supérieur en bénéficiant d'un tutorat individuel et collectif. Ils permettent aux universités de devenir mobiles pour être au plus près de ceux qui veulent accéder aux formations du supérieur et certifiantes. Ces espaces sont mis en place par les collectivités territoriales. Aussi, la commune de Maubeuge fait partie des 49 lauréats de la troisième vague de l'appel à projet Campus Connecté. Elle a obtenu la labellisation en mai 2021 et l'octroi d'une subvention de 300 000 euros glissée sur 5 ans. Le territoire de la commune de Maubeuge compte de nombreux lycéens dans le secondaire, les filières universitaires, sanitaires et sociales. C'est pourquoi la création du dit campus connecté sera un nouvel outil d'attractivité du territoire, levier de sa transformation au même titre que la cité éducative. Les enjeux de savoir, de connaissance et de création d'un nouveau modèle de transmission développeront un cercle vertueux en abolissant les barrières mentales et géographiques permettant aux Maubeugeois et Sambriens de faciliter l'accès à des études et à l'enseignement supérieur. Le campus connecté permettra d'accroître la propension à mener des études supérieures de son choix, de créer un écosystème et un territoire capacitant en adéquation avec les compétences recherchées par les industries, les entreprises et les formations proposées, de créer un parcours d'intégration avant, pendant et après les cours procurés dans le cadre du campus connecté grâce à un suivi individuel. Le campus connecté s'adresse au public suivant: habitants maubeugeois et du territoire n'ayant pas trouvé de solution post-bac, étudiants souhaitant rester sur le territoire de vie, infrabac qui souhaitent raccrocher via un diplôme d'accès aux études universitaires, DAUE, personnes en cours de reconversion, travailleurs précaires souhaitant stabiliser leur situation. Il sera installé au sein de la médiathèque municipale de la commune de Maubeuge. Des hébergements seront à terme à l'étage de la médiathèque. Une résidence Crous sera installée. Un tuteur accompagnateur sera proposé par l'université de proximité, à savoir l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, et que la médiathèque mettra en place un entretien individuel
avec le nouvel arrivant pour définir de quelle manière elle pourra l'accompagner en dehors du temps passé au sein du campus connecté et pour permettre sa mise en relation avec les différents services de la commune de Maubeuge et des partenaires. Le campus connecté est un lieu donc qui se veut connecté, collaboratif, coopératif et inclusif au service du public. Le conseil municipal est le seul compétent pour délibérer sur la conclusion d'une convention de financement entre la Caisse des dépôts et la commune de Maubeuge pour permettre la mise en place du campus connecté sur le territoire de la commune de Maubeuge. Par ces motifs, il est proposé au conseil municipal de, dans un premier temps, approuver la création du campus connecté au sein de la bibliothèque, de la médiathèque, excusez-moi, municipale, autoriser monsieur le maire ou son délégataire à signer tout acte ou conventionnement relevant du financement, du fonctionnement et de l'investissement du dit campus connecté. Nous irons étudier sur la Lune, ainsi que tout document afférent à la présente délibération. Merci Michel. Y a-t-il des questions ? En résumé, ça va permettre à celles et ceux qui sont, pour des questions de mobilité, ne peuvent pas se rendre dans les universités, pouvoir avoir accès aux formations universitaires, avec à la fois donc à la médiathèque dans un premier temps, et d'avoir aussi un accompagnement par l'Université de Valenciennes. Par contre, ils ont accès à toutes les formations qui sont connectées, entre guillemets, de toutes les universités françaises. Et donc, c'est un, je pense, un super dispositif, et ça peut aussi permettre à celles et ceux qui veulent retourner en cours du soir ou autre, de pouvoir le faire, évidemment, par ce dispositif. Donc, nous avons candidaté à plusieurs reprises, et nous avons été, évidemment, choisis, et on est très heureux de mettre les moyens pour pouvoir proposer aux Maubeugeois, parce qu'aujourd'hui, c'est que la ville de Maubeuge qui est aujourd'hui, qui finance ce dispositif. Peut-être pouvons-nous l'ouvrir à d'autres collectivités, voire à l'agglomération, évidemment, avec un accompagnement financier à hauteur du nombre d'étudiants, pour pouvoir bénéficier à plus de monde de notre territoire. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Personne. Qui vote contre ? Personne. Merci. Délibération suivante. Hop. C'est Maréchal Lally. Merci, monsieur le maire. Délibération concernant la mise à disposition d'un outil d'information géographique pour la consultation du cadastre. Autorisation et à signer la convention de mise à disposition. En 2012, la communauté d'agglomération avait proposé à l'ensemble de ses communes membres de mettre à leur disposition certaines fonctionnalités du système d'information géographique développé au sein de l'EPCI, et notamment les données cadastrales, plans et matrices issues de la Direction générale des finances publiques. Mise à disposition à titre gratuit qui s'est concrétisée par la signature d'une convention de mise à disposition entre la ville de Maubeuge et l'agglomération. Aujourd'hui, au regard du nouveau mandat qui s'ouvre, l'agglomération sollicite à nouveau ses communes membres afin de savoir si elle souhaite renouveler cette mise à disposition des données cadastrales qui se concrétisera par la signature d'une nouvelle convention dont le projet est soumis à votre approbation. Comme indiqué dans le projet de convention tel que repris dans le projet de délibération, l'accès est sécurisé, limité à 2 agents par commune, et la mise à disposition se fait à titre gratuit. Donc, il vous est demandé d'approuver la convention de mise à disposition de cet outil et autoriser le maire à la signer. Merci, Maréchal. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Des abstentions de votre compte non plus. Je vous remercie. Maréchal. Alors, il s'agit de l'autorisation de signature du protocole de partenariat encadrant l'expérimentation d'accords globalisés de cession entre l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais et la ville de Maubeuge au profit du Promocil et de la Vénoise sur les sites du Pont-Talon Citroën, l'ancien Citroën, et de la Clouterie phase 1. L'EPF met en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement d'une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins des territoires.
à compter de la date de signature du protocole et jusqu'au 31 décembre 2022, les parties conviennent d'expérimenter les dispositions prévues. Acquisition du foncier par le PF, puis gestion et rétrocession à la collectivité ou à l'opérateur ou au bailleur lorsque le projet de cette dernière est finalisé. Dans le cadre de l'opération Maubeuge-Pontalan, le PF a fait l'acquisition et la démolition de Citroën pour une superficie de 11 528 m². Pour celui du site de la Clouterie, le PF a procédé à l'acquisition et à la démolition des bâtiments vacants Avenue de France et rue Henri Dur pour une superficie de 1 308 m². L'autorisation de cession du Pontalan par le PF au profit de Promocy la Vénoise a été donné par le conseil municipal du 28 juin 2021, bénéficiant d'un prix de cession minoré consenti par l'EPF de 483 210 euros, avec un allègement de 572 985 euros. L'autorisation de cession du site de la Clouterie phase 1 au profit de Promocy Avenoise a été donné par le conseil municipal au 10 décembre 2019, bénéficiant d'un prix de cession minoré consenti par l'EPF de 284 840 euros avec un allègement de 2 8 670 euros. Cet engagement sera effectué au plus tard dans les 5 ans de la signature de l'acte de cession. Si l'engagement n'est pas respecté, la commune s'engage dès à présent à verser à l'EPF à la première demande une indemnité concernant, correspondant au montant de cet allègement. Cette expérimentation participe d'une manière indirecte au deuxième acte du pacte pour la réussite de la Sambre Avenois Thiérache. Elle est encadrée par un protocole de partenariat mis en place entre l'EPF Promocy Lavénoise et quatre communes, Anore, Aulnoy-Aymeries, Boussois et Maubeuge. Cette démarche fera l'objet d'une expérimentation par le biais de 3 indicateurs. Amélioration des délais, sécurisation des prix de cession et contribution à la relance publique. Cette cession interviendra au plus tard le 31 octobre 2021 pour le site du Pontalan et pour la Clouterie au plus tard le 30 septembre 2022. Les travaux de déconstruction menés par le PF qui ne sont pas, seront achevés qu'au 31 octobre 2021. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le protocole et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce protocole de partenariat relatif à l'expérimentation d'un accord globalisé de cession au profit de Promocil et la Vénoise. Y a-t-il des questions ? Monsieur Rombaud, allez-y. Pour faire simple et rapide, évidemment, nous voterons contre, tout simplement parce que la Clouterie, pour moi et pour nous, vaut mieux que quelques logements supplémentaires. Quand on est dans un hypercentre, eh bien, on doit mettre des commerces et des bureaux. Alors, comment dirais-je ? Pour votre information, cette phase 1 se comporte de 36 logements locatifs, du PLS au nombre de 25 et 11 PLAI, de commerces pour une superficie de 714,76 m² et de bureaux de 732,29 m². Donc, votre réflexion, c'est de dire que Vous ne souhaitez pas, c'est ça, des logements, c'est ça ? Des logements sociaux ? Je ne souhaite pas de logement à cet endroit. Vous le savez, on en a déjà discuté, déjà tout à l'heure encore d'ailleurs. Donc je ne vais pas redire toujours la même chose. Mais je souhaitais mettre des commerces et effectivement des bureaux à cet endroit-là. Pour moi, on est en train de détruire l'espace foncier le plus important de l'hypercentre-ville. Et voilà, ça, je ne peux pas voter pour. Très bien. Donc vous rappelez, donc la réponse qui vous a été faite, c'est qu'il y a l'espace de commerce et il y a un espace de bureau et un espace évidemment de logement pour les habitants, parce qu'il faut. Vous savez, dans le centre-ville, il y a aussi, contrairement à ce qu'on croit, le centre-ville n'est pas assez dense à Maubeuge. Et il faut redensifier le centre-ville. C'est une addition de quartiers. Et la densification du centre-ville est très importante parce que c'est les habitants du centre-ville qui font d'abord vivre les commerces du centre-ville. Et donc, à chaque fois qu'on a eu des études sur le centre-ville, à chaque fois, la remarque, c'est que le centre-ville n'est pas assez dense par rapport à d'autres villes moyennes. Et c'est une vraie problématique pour la ville.
Donc c'est pour ça que nous essayons aussi de densifier avec des programmes qui sont mixtes. Donc nous ne perdons pas le foncier pour faire que du logement, quoique du logement, quand on voit les nombres de personnes qui viennent dans nos permanences pour avoir un logement et qu'on n'arrive pas à fournir, ben je peux vous assurer qu'ils sont bien contents quand on fasse des opérations telles que celle-là, et ça doit être à la fois des opérations mixtes pour ça, et encore une fois, je le redis, mais heureusement que nous avons des bailleurs, quel que soit dans la rénovation urbaine, mais aussi dans le cadre de ce programme, qui font des efforts de créer des logements parce que c'est leur mission, mais qui font aussi des travaux complémentaires et qui prennent des risques par rapport à du foncier de bureau et du foncier d'aménagement. Et donc, je pense qu'on peut vraiment les remercier dans des opérations aussi compliquées et coûteuses. Voilà. Pas d'autres questions ? Je vous remercie. Qui s'abstient ? Personne ? Qui vote contre ? Personne ? Si, pardon, deux, excusez-moi. Deux qui votent contre. La délibération suivante. Alors, nous allons réunir les délibérations 29, 30 et 31, puisqu'il s'agit de la désaffectation, du déclassement et l'intégration dans le domaine privé d'une parcelle P279P, qui sera suivie, bien sûr, d'une vente au profit de la SCI d'une entreprise communale de cette même emprise que de la parcelle 279P, 6 avenue Maurice Garin et boulevard de l'Europe. Il s'agit de la cession de la SCI Mawalifa d'une emprise de 88 mètres carrés mitoyenne à sa propriété. En effet, la ville a été sollicitée par cette société représentée par M. Ahmed Erich, nouveau propriétaire de l'ancien hôtel-restaurant Le Vélodrome, pour acquérir une emprise publique qui est un espace vert situé en limite de sa propriété et du parking public situé en face de l'entrée principale de la mairie. Cette cession lui permettrait d'une part de réaligner sa propriété avec le domaine public, parking côté entrée principale de la mairie, et d'autre part de pouvoir aménager un parking à l'usage de sa clientèle. Cette cession est proposée au prix de 440 euros, correspondant à l'évaluation des domaines, auxquels s'ajouteront les frais de géomètre et ceux inhérents à la vente. Néanmoins, s'agissant du domaine public, il y a lieu de se prononcer également préalablement, donc comme je vous l'ai dit, à la désaffectation et le déclassement de cette emprise publique qui, par sa situation, ne présente aucun intérêt pour la commune. À noter qu'un recul de 1,50 m par rapport à la zone de stationnement est proposé, et de ce fait, de la présence d'équipements publics, il y a des candélabres, et pour la pose éventuelle d'une clôture en limite de propriété. Ce projet qui sera réalisé comprendra 9 chambres et des espaces de restauration et sanitaires pour ses occupants. Donc, il vous est demandé d'acter le déclassement, la désaffectation et l'intégration dans le domaine privé communal et approuver la vente de cette parcelle à cette SCI. Merci Marie-Charles. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions, des abstentions, des votes contre non plus. Je vous remercie. Marie-Charles. Alors nous continuons faire les délibérations 32, 33 et 34. Il s'agit de la même chose, c'est-à-dire la désaffectation d'une emprise du domaine public, d'un déclassement et l'intégration, et la vente au profit de M. et Mme Bertrand d'une emprise communale 6 boulevard Chateaubriand. Il s'agit de la cession à M. et Mme Bertrand d'une emprise d'environ 250 mètres carrés mitoyenne de leur propriété. Cette emprise crée en effet de nombreuses nuisances pour ses riverains, rassemblements inopportuns, dépôts sauvages, qui souhaitent ainsi retrouver aussi une certaine tranquillité. Cette cession est proposée au prix de 2500 euros, correspondant à l'évaluation des domaines auxquels s'ajouteront les frais de géomètre et d'actes notariés. Néanmoins, s'agissant du domaine public, il y a lieu de se prononcer également préalablement à la vente sur la désaffectation, sur le déclassement de cette emprise du domaine public d'environ 250 mètres carrés qui, de par sa situation, ne présente aucun intérêt pour la commune. Donc voilà, nous vous demandons d'approuver cette délibération. Des questions ? Des abstentions, des votes contre non plus ? Je vous remercie. Marie-Charles. Alors, nous continuons. Alors, attendez, j'étais deux. Alors, je ne sais plus parce que moi, mes numérotations. Donc, on arrive à la.
À la place de la Satinette, 36. Il s'agit donc des délibérations 35, 36 et 37 concernant la désaffectation, la même chose, le déclassement et l'intégration et la vente au profit de monsieur et madame Moll des parcelles BA numéro 134 et 135, 6 impasse la Satinette. Il s'agit de la cession au profit de monsieur et madame Moll de deux terrains cadastrés BA numéro 134 et 135 d'une surface totale de 1376 mètres carrés situés impasse la Satinette et sur lesquels ils souhaitent construire leur résidence principale. Cette cession est proposée au prix de 48 000 euros correspondant à l'évaluation des domaines auxquels s'ajouteront les frais de géomètre et d'actes notariés. Et afin de leur permettre d'avancer dans leur projet, il est également proposé de leur permettre de déposer toutes les demandes d'autorisation inhérentes à celui-ci. Donc on vous demande d'approuver ces trois délibérations. Des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Non plus. Je vous remercie. Maréchal. Alors nous arrivons donc à la délibération numéro 28. Il s'agit 38, pardon, décidément. Il s'agit de la vente à la SA Yeso H Immo de l'immeuble 616 rue de l'Ancien Pont Rouge. Donc il s'agit de la cession profit de cette SAS représentée par messieurs Sylvain Amé et Joël Yeso Nadeau d'un immeuble situé 16 rue de l'Ancien Pont Rouge dans le quartier du Pontalon. Cet immeuble à l'origine à usage scolaire est désaffecté depuis de nombreuses années. La société envisage de réhabiliter le bâtiment et de créer 8 logements à destination des étudiants. Compte tenu de l'état du bâtiment et de l'importance des travaux à réaliser pour le mettre en conformité, il est proposé une diminution de 10% par rapport à l'évaluation des domaines, fixant ainsi la cession à 36 000 euros, auxquels s'ajouteront les frais inhérents à la vente. Afin de permettre à l'investisseur d'avancer dans son projet, il est également proposé de lui permettre de déposer toutes les demandes d'autorisation inhérentes à celui-ci. Donc, nous demandons d'approuver cette délibération. Des questions ? Il n'y en a pas ? Des abstentions ? Des votes contre ? Non plus. On continue. Donc, il s'agit donc de la délibération numéro 39. C'est la vente à la société Lorban Immobilier de la parcelle N numéro 166, 6 avenue Albert Ier. Par deux délibérations en date du 28 juin 2021, le conseil municipal a approuvé la désaffectation, puis le déclassement et l'intégration dans le domaine privé communal du passage couvert situé entre les numéros 14 et 16 de l'avenue Albert Ier, et ce, afin de procéder à sa vente. Donc, il est proposé aujourd'hui de concrétiser la cession au profit de la SA Lorban Immobilier pour finaliser les travaux de modernisation du restaurant La Rotonde. Celle-ci est proposée au prix de 670 euros, correspondant à l'évaluation des domaines auxquels s'ajouteront les frais de géomètre et ceux inhérents à la vente. Des questions ? Monsieur Rombaud. Oui, monsieur le maire. Je vois dans la délibération que la ville souhaite le vendre donc 67 mètres carrés pour 670 euros, soit 10 euros du mètre carré. Je ne comprends pas ce prix, sachant qu'à Maubeuge, le prix du mètre carré se situe entre 31 euros et 57 euros. Et pour preuve, au dernier conseil, prochain conseil d'agglomération, un terrain de 163 mètres carrés à Soulbois va être vendu à 40 euros du mètre carré. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut se retrouver avec un tel prix dans l'hypercentre de Maubeuge ? C'est l'avis des domaines qui a été joint de toute façon à délibération. Nous suivons l'avis des domaines. Et je crois que l'autre, on avait aussi vendu une petite partie, c'était à 9,88. Donc en fait, ça se tient. Et c'était aussi en centre-ville. Vous avez la réponse, monsieur Rombaud. Dans la délibération, ce n'est pas l'avis des domaines. Pardon ? Ça avait été présenté parce qu'on avait la fois dernière, on a oublié de faire la vente. Oui, donc là, on a suivi l'avis des domaines sur le prix. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le débat que nous avons eu, etc. Dans le compte rendu, vous l'avez. Des autres questions ? Non ? Des abstentions ? Des votes contre ? Non ? Ouais, allez-y. Vous votez contre ? Oui. D'accord, deux contre. Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc le reste vote cette délibération. Et je cède la parole à Madame Galland. Merci, Monsieur le maire.
Dans la délibération numéro 40, il s'agit d'évoquer le cas de recours à des contrats d'apprentissage. En juin, le conseil municipal a délibéré en faveur de la signature de 5 contrats d'apprentissage pour la rentrée scolaire. La ville de Maubeuge a une volonté forte d'aider les jeunes de 16 à 25 ans, de finaliser leurs études, de mettre en application leurs connaissances théoriques dans la collectivité et d'intégrer le monde du travail. Pour cela et à ce titre, la collectivité souhaite accueillir des jeunes en contrat d'apprentissage selon les deux profils suivants. Donc un apprenti au service ressources humaines pour préparer un bachelor universitaire de technologie en GEA, c'est-à-dire gestion des entreprises et administration, au sein de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France pour 3 ans. Et au niveau du service juridique, un étudiant en Master 2, métier des collectivités territoriales, qui viendrait de l'IPAC de Lille. Donc, par cette délibération, je vous demande de bien vouloir autoriser, monsieur le maire, à signer les 10 contrats d'apprentissage. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Villette. Merci. Bien entendu, on ne peut que vous féliciter d'avoir recours au contrat d'apprentissage, qui est vraiment une méthode pour aider nos jeunes. Ma question, en tout, on a combien de contrats d'apprentissage jusque maintenant ? Depuis quand développe-t-on cette politique ? Je vois. Alors, où vous voulez en venir. Peut-être que... 8 ? Moi, j'aurais dit 8. J'aurais dit 8. Mais je vous prie de m'excuser. Donc 8 apparemment. Alors, pour être très simple et très direct avec vous, être direct, évidemment, vous faites allusion à mes compétences au niveau régional sur l'apprentissage et l'alternance. Nous avons fait un diagnostic de territoire produit par RESA. Sur le territoire de la Sambre-Avesnois, nous avons 2 fois moins d'apprentis et d'alternants que sur le reste du département du Nord et voire de la France. Et quand vous avez des entreprises qui recherchent une main-d'œuvre, ce constat est catastrophique parce que ça veut dire que ce ne sont pas nos jeunes qui vont vers l'emploi, mais évidemment, nous avons des personnes qui viennent d'autres arrondissements qui viennent travailler chez nous. D'ailleurs, un tiers des emplois ici sont détenus par des gens qui n'habitent pas la Sambre-Avesnois. Donc il y a aujourd'hui une nécessité que nous puissions entreprendre des démarches. D'ailleurs, RESA, qui sera bientôt mandaté par la région pour tenir une étude pour être en lien avec les entreprises du territoire et puis l'ensemble des acteurs qui gèrent des CFA sur le territoire pour pouvoir pousser l'apprentissage et l'alternance sur notre territoire qui sont vraiment des vrais enjeux. Tout à l'heure, on parlait de la cybersécurité, c'est un enjeu. L'apprentissage et l'alternance, c'est une vraie priorité. Et nous n'avons pas... Alors maintenant, la région a perdu la compétence la compétence de l'alternance et de l'apprentissage, mais aujourd'hui, elle a encore des crédits pour les investissements. Et il faut vraiment pousser ce sujet parce que c'est très important. Ça veut dire qu'à la ville de Maubeuge, nous avons à peu près 150-200 stagiaires par an, ce qui est pas mal, mais ce qui est... 220, pardon. Ce qui est pas mal pour une collectivité comme la nôtre, mais qui reste encore insuffisant. Et nous devons faire de plus en plus d'efforts pour essayer d'accueillir des jeunes au sein de nos collectivités. C'est ce que nous faisons par ces contrats. Mais je pense qu'il faut avoir une dynamique beaucoup plus forte sur notre territoire. Voilà l'engagement que nous prenons. Et d'ailleurs, nous incitons évidemment l'ensemble des encadrants de la ville de Maubeuge à prendre de plus en plus de stagiaires ici à la ville, des troisièmes, parce qu'on a un certain nombre de jeunes qui, malheureusement, n'ont pas de stage. Et des fois, ils ne peuvent pas continuer leurs études ou il manque un cursus sur leur territoire. Et c'est dramatique. Donc, on doit pousser ça. Donc, nous le faisons à nos moyens. Voilà pour répondre à votre question sur l'apprentissage. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre ? Non plus à l'unanimité. Pardon. Je vous remercie. Florence. Délibération 41. Il s'agit d'une mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents. Nous avons, tout au long de l'année, nous votons sur le tableau des effectifs
Toutefois, il s'agit de le réactualiser de manière profonde, puisque quand nous créons un poste, lorsque nous envisageons de créer un poste ou d'embaucher une personne, nous ouvrons parfois plusieurs emplois. Or, comme pour pouvoir avoir des personnes de profils différents qui postulent à l'aide dans la collectivité. Donc, nous nous laissons ces chances en ouvrant plusieurs grades d'emploi. Et ensuite, lorsqu'on recrute, il faut systématiquement repasser en conseil municipal pour retirer les grades d'emploi qu'on a ouverts dans le cadre de ce recrutement. Donc, il y a ce travail profond qui a été fait pour retirer les postes finalement que nous avions ouverts et qui n'ont pas lieu d'être pourvus puisqu'ils ont été pourvus autrement, et également de prendre en compte les avancements et les promotions, parce que lorsqu'il y a les agents connaissent des avancements et des promotions, nous devons ouvrir le poste suivant de la promotion avant de fermer, lors du conseil municipal, le poste précédent. Donc tout cela, c'est des manipulations précises à effectuer. Et donc, nous, dans un souci de transparence par rapport au conseil municipal et de saine prévision budgétaire, nous avons rétabli les choses et nous avons fait un toilettage du tableau des effectifs, comme vous l'avez pu le constater, et qui a reçu un avis favorable lors de la séance du comité technique du 3 septembre dernier. Donc je vous demande de bien vouloir approuver le tableau des effectifs, des emplois permanents, pardon, de la collectivité, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Des questions ? Madame Ropital, Madame Villette. Oui, il y a des chiffres qui me surprennent, moi. Je vois qu'il n'y a plus d'administrateurs. Je pensais que monsieur le DGS était l'administrateur. Là, je vois que c'est zéro maintenant. Je suis un peu surprise, alors même si j'ai une semi-explication, là, concernant les agents des écoles maternelles en forte baisse, ça me surprend un peu. Et enfin, tout à fait en bas de colonne, vous avez supprimé aussi le poste de coordinateur en 10 défis. Il y a plusieurs réponses à vous donner. Voilà. Donc, par exemple, sur le coordonnateur handi-défi, la personne a été promue sur un autre poste. Donc, elle ne porte plus ce nom-là, mais elle a toujours une compétence en matière d'handicap. Sur les sauts de sujet, il faut vous dire qu'il y a des termes qui, parfois, changent au niveau des grades d'emploi. Par exemple, vous avez cité, si je prends la première ligne de la filière administrative, par exemple, il y a directeur territorial aussi. Bon, c'est un grade d'emploi qui n'existe plus juridiquement. Donc, nous avons dû procéder à des toilettages. Après, nous avons la possibilité, quelquefois, de laisser des postes ouverts sans qu'ils soient affectés, donc pour des évolutions futures. Voilà. Voilà les éléments que... Après, c'est le choix de la collectivité. Alors, de garder un cadre. Non, c'est différent. C'est qu'on n'a pas besoin forcément d'une personne. Par exemple, vous avez cité le cas de monsieur le directeur général des services. Il faut savoir que dans le tableau des effectifs, les personnes qui ont des emplois fonctionnels apparaissent à deux endroits. Enfin, bon, c'est le choix de la collectivité de leur faire. Puisqu'ils sont, par exemple, un DGA là. Peut être attaché également. Voilà. Madame Villette, vous avez posé une question. Oui, tout à fait. J'avais une question relative à la transparence et à la lisibilité des tableaux d'effectifs. Dans certaines autres collectivités, on lit justement ce tableau des effectifs à l'organigramme, ce qui permet vraiment de voir l'impact d'une direction par rapport à une autre. Est-ce qu'il ne serait pas possible à l'avenir, pour mieux comprendre ce tableau des effectifs, de croiser ces données ? Vous pouvez le relier à l'organigramme en fonction des affectations du nombre de postes. Après, on peut vous mettre un chiffre sur des éléments, bien évidemment. Bon, là, vous avez compris qu'on a fait un toilettage 900 passe à 600. On a fait un grand toilettage des postes, etc. C'était nécessaire. Bon, il fallait que nous fassions. Ça ne correspondait plus à rien. Je vous propose de voter cette délibération. Qui s'abstient ? Personne. Qui vote contre ? Personne. Je vous remercie. Toujours Florence. Oui. Délibération 42, qui porte également sur le tableau des effectifs et une modification des tableaux, justement, postérieurement à la précédente délibération. Nous avons dû procéder, je vous précise juste un élément, c'est que nous avons dû procéder au recrutement en urgence de 4 agents au titre d'un accroissement temporaire d'activité, et il convient de régulariser la situation au regard du tableau des effectifs par la création
de 4 postes. Donc, au titre des emplois non permanents, nous avons dû mettre en place le pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. Et donc, nous avons dû embaucher 2 agents de catégorie C à temps complet afin d'effectuer le contrôle des justificatifs. Dans le cadre de la reprise des manifestations événementielles, Énergie Tour, Kermesse de la Bière, Vitrine du Hainaut et culturelle, Journée européenne du patrimoine le week-end prochain, si je ne me trompe pas, Saison culturelle de Stroh, Journée de l'architecture, reportée en raison de la crise sanitaire, nous avons eu besoin d'un adjoint administratif et d'un assistant de conservation du patrimoine. D'autre part, au titre des emplois non permanents afin de renforcer les effectifs, dans le cadre de l'activité du service juridique, en raison du report de l'analyse juridique des grands projets engagés par la collectivité, report qui est lié à la crise sanitaire, nous avons besoin d'un attaché territorial pour assurer les fonctions de juriste. Par ailleurs, au titre des emplois permanents, alors, au sein de la filière technique, nous vous proposons d'ouvrir un poste d'adjoint technique à temps complet pour exercer les fonctions d'agent d'entretien des locaux. Au niveau de la filière administrative, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet pour exercer les fonctions d'assistant administratif. Un poste d'attaché territorial pour exercer les fonctions de juriste. Au sein de la filière médico-sociale, un poste d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de deuxième classe à temps complet. Et au niveau de la filière culturelle, un poste d'attaché de conservation du patrimoine à temps complet. Donc je vous demande de bien vouloir autoriser la création de ces postes et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Des questions? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre? Non plus. Je vous remercie. 43. Alors, il s'agit de la création de l'activité. Après, j'aurai quelques informations à vous communiquer. Vas-y, dernier. Délibération 43, création de l'activité accessoire de consultants sur les projets sportifs au sein du service des sports. Un programme de rénovation et de réfection de certains équipements sportifs tels que les stades Jean Serra, Léo Lagrange, le club hippique des Chamborans, le gymnase Marceau-Mauzin a été engagé. Également la création d'un pôle rugby. Il est donc nécessaire de recourir à un consultant qui assurera, en lien avec le service des sports, le suivi des projets en cours. Les besoins sont estimés à 8 heures par semaine et cette mission pourrait être assurée par un agent public au titre d'une activité accessoire qui pourrait percevoir une indemnité forfaitaire de 25 euros brut de l'heure. Donc, par ce motif, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le recours à un service, au service d'un agent public qui assurera, donc, en sus de ses fonctions principales, une activité accessoire de consultant sur les projets sportifs. D'autoriser Monsieur le maire à procéder à la nomination de l'agent et dans les conditions de rémunération si prévues précédemment et d'inscrire les crédits correspondants au budget. Il y a des questions? Non. Des abstentions, des votes contre? Non plus. Quelques informations. Madame Rompital, vous avez reçu sur votre mail en cours de séance, peut-être que vous n'avez pas encore revu, la modification du conseil municipal. Je vais demander qu'on envoie aussi ce mail à Monsieur Rombaud et à Madame Michaud pour qu'ils puissent vérifier le compte-rendu du conseil municipal et qu'on puisse le valider, bien sûr. Monsieur de Quéper, donc nous renvoyons évidemment la gestion de votre amendement à la prochaine commission, d'accord? Évidemment avec la délibération. Vous m'entendez pas? Monsieur de Quéper, donc nous allons envoyer votre amendement, à l'étude de votre amendement à la prochaine commission, d'accord, évidemment avec la délibération. Je vais demander à Nicolas Leblanc de convoquer les membres de la commission sur le règlement intérieur pour qu'on puisse, vous puissiez déposer des amendements dans un délai acceptable pour la collectivité et non pas comme ça la dernière minute, comme vous venez de le faire, monsieur Dekeper. Comme ça, on pourra l'intégrer au règlement intérieur, mais il faut que ça soit accepté par les uns et par les autres. Nous laisser le temps de pouvoir le regarder et ne pas prendre des choses comme ça sur la table. Voilà. Mais nous allons avoir, vous aurez la discussion au règlement intérieur par rapport à cet amendement. Je ne vous ai pas informé non plus que madame la ministre de la politique de la ville était venue hier à Maubeuge. Nous avons signé dans le cadre des bataillons de la prévention 3 emplois avec l'AJA pour la prévention. Vous dire, pour conclure aussi, que j'ai mis fin au emploi fonctionnel du directeur général des services, monsieur Forens, ainsi que Madame Sénécal, qui est aussi DGA à la ville de Maubeuge. Pour finir, et ça je dois faire une information au conseil municipal par rapport à la procédure qui a déjà été engagée depuis quelque temps. Pour finir,
les journées du patrimoine le 18 et le 19 septembre, en même moment que le jumping international. Je vous invite à venir, j'espère qu'il ne fera pas le temps de ce soir, mais vous pouvez revenir. La kermesse de la bière, Monsieur Coulon, du 23 au 27 octobre, avec un beau programme. Le Energy Music Tour, nous en avons parlé, un super programme. J'espère qu'on aura 10 000 personnes pile, mais j'en suis pas sûr. J'espère pas avoir plus. Et puis, donc, ça veut dire qu'on démarre bien la saison ici à la ville de Maubeuge. Et nous pouvons enfin reprendre nos activités avec un pass sanitaire, bien évidemment. Merci à vous et je vous souhaite, et au mois de novembre pour le prochain conseil municipal normalement, ainsi que les délibérations. Merci à vous.